Bonsoir à tous, bienvenue ici au stade Maurice Baquet pour cette 9e journée de National 3, un match qui va opposer bien sûr l'AJ-Caen à Gonfreville. Déplacement à Gonfreville, Gonfreville c'est juste à côté du Havre, un déplacement compliqué hein, déjà par rapport aux conditions météorologiques. Bruno, on va en parler. Oui, bonsoir Xavier. Bruno, bonsoir. Commenter cette rencontre ensemble. Ouais, si vous pouvez voir quelques images, peut-être tout de suite hein, du terrain. C'est vrai que ça fait 2-3 heures hein, maintenant qu'il pleut comme ça. Complètement, sans cesse. Sans s'arrêter. Donc heureusement, c'est un terrain synthétique. On verra qu'il y a eu quelques matchs d'annulés, hein, notamment la Ligue de Normandie a annulé tous les matchs de régional. Ce week-end, donc il y a encore les matchs de National qui se jouent, et heureusement que ce terrain se joue sur terrain synthétique. Superbe terrain d'ailleurs, avec un éclairage magnifique comme vous pouvez le voir ici à l'image. Et on espère malgré tout que ce match va se dérouler dans de très bonnes conditions. Alors pour parler de ce match, Bruno, donc l'AJ-Caen 4e actuellement, qui rencontre donc Gonfreville 13e sur 14, avec un début de championnat compliqué hein, pour Gonfreville. Ouais, c'est vrai, c'est même assez étonnant, et j'ai l'impression de me répéter semaine après semaine, puisque je dis déjà ça la semaine dernière de Passy. Gonfreville qui avait affiché des ambitions d'entrée, qui aspirait au haut de tableau et puis qui se trouve un petit peu en difficulté. Bon, il n'y a que 7 matchs joués, mais c'est quand même déjà 7 matchs. Et donc 3 petits points emmagasinés. On espère que ce soir, il n'y aura pas plus de 3 points. Ça serait bon signe pour nous. Mais voilà, on en parlera bien sûr tout à l'heure. Mais c'est pas un match à prendre à la légère, hein, puisque voilà, toutes les équipes qui ont rencontré Gonfreville ont dit que cette équipe n'avait rien à faire à cette place-là. Et c'est vrai que lorsque l'on voit la compo, on la verra tout à l'heure, lorsque l'on voit la compo, il y a vraiment des joueurs de qualité. Alors on va parler également de cette journée donc, de championnat, cette journée 9, un petit peu perturbée bien sûr par les intempéries. On va voir ce qui vous attend aujourd'hui avec cette journée 9, les matchs de cette journée, avec notamment Le Havre qui donc reçoit Grand Quevilly, Gonfreville également donc on y est, qui reçoit l'AJ-Caen, Passy-Meny à Alençon, je crois que ça a été annulé, oui, c'est en ça. Raison des conditions météo, le Stade Malherbe, Caen, la réserve face à Évreux, Dieppe contre Vire, Cherbourg face à Quevilly et Saint-Lô face à Avranches, avec une journée encore importante, et c'est vrai que là c'est le moment d'emmagasiner des points pour l'AJ-Caen. Oui, complètement, surtout qu'il y a, encore une fois, on vient de le dire, il y a un match encore qui n'aura pas lieu, donc c'est l'occasion de créer des écarts, de creuser encore un petit peu plus, et puis d'assurer le plus vite possible un maintien que l'avant-garde cherche avant de se projeter vers l'avant. Il faut déjà vraiment assurer ce maintien le plus vite possible, et c'est plutôt bien parti. Voilà, je vous cache pas qu'on a un petit problème de synthé là tout de suite, dans des conditions un peu particulières avec la pluie, les conditions météo. Je ne sais pas qu'on me dit si on peut lancer le classement du championnat non plus. Donc on va le faire, on va le faire à la radio, le classement du championnat, avec un trio de tête, deux leaders, hein, Cherbourg et Évreux avec 18 points. Troisième donc le Stade Malherbe Caen avec 17 points. Quatrième l'AJ-Caen avec 14 points. L'AJ-Caen qui a un match de retard donc sur les trois premiers. Donc potentiellement l'AJ-Caen pourrait se retrouver troisième avec la victoire en match en retard, mais sachant que c'est un match en retard difficile. Difficile chez au Havre, un match à aller disputer contre la réserve du Havre. Donc l'AJ-Caen qui reste sur 10 matchs sans défaite, ça c'est quand même une grosse satisfaction, puisque l'objectif du début de saison c'était quand même le maintien. Complètement. Et là c'est vous venez de dire, vraiment une très grande satisfaction. On savait. Ah bah le classement vient d'arriver, donc je pense qu'on va pouvoir le reprendre, et on voit là hein, de toute façon le classement de l'avant-garde, et c'est ce que nous étions en train d'évoquer, c'est une belle surprise parce qu'on avançait un peu en terre inconnue, et puis bah, les joueurs s'affirment à ce niveau-là, après un premier match hésitant, ça y est, c'est parti, ils ont trouvé leur rythme, on attend la confirmation ce soir et on l'attendra peut-être à chaque match, donc je pense qu'il faut continuer d'emmagasiner, et puis on verra où ça nous mènera. En ce qui concerne Gonfreville, eh bien, il faut voir la deuxième partie du classement. Vous le disiez, hein, Gonfreville qui se retrouve donc 13e, hein, 13e sur 14, avec Passy-Meny qui est toujours à moins 1 en raison d'un match donc perdu sur tapis vert face à Cherbourg. Gonfreville, une victoire face à Avranches, et quelle victoire quand même face à la réserve d'Avranches, 3-0, la réserve d'Avranches qui est quand même une belle équipe également. Juste devant Alençon et Grand
Grand-Quevilly, égalité avec Vire. Vire qui a quand même deux matchs de retard, notamment par rapport à Grand-Quevilly. Mais attention, attention, on le disait déjà la semaine dernière, il peut y avoir quatre descentes cette Ça saison. Va dépendre du niveau au-dessus, en effet. Ouais, et donc Gonfreville, eh bien, Gonfreville est un petit peu là en danger. Et les matchs à domicile, comme ça, il faut vraiment pouvoir aux hommes de Hamzaoui de pouvoir profiter de ces matchs pour essayer de remonter au classement de ce championnat. Une victoire depuis le début de saison, je vous le disais, un 3-0 contre la réserve d'Avranche. 9e défense avec 14 buts encaissés, 11e attaque avec 9 buts marqués, alors que la saison dernière ils étaient la 3e attaque avec plus de 40 buts à la fin de la saison. Donc c'est compliqué pour Gonfreville cette année, malgré c'est quand même la 3e saison que les joueurs de Gonfreville se retrouvent en national. Ils avaient terminé 8e et 7e les deux premières saisons, et cette année, vous l'avez dit, ils avaient des ambitions. Malheureusement pour eux, ça a vraiment pas très bien commencé ce championnat. On va voir d'ailleurs les 5 derniers matchs de championnat de Gonfreville. Donc là, c'est essentiellement les matchs de ce championnat. On ne compte pas la Coupe de France, puisqu'on en parlera également. Gonfreville est toujours en lice en Coupe de France. Vous voyez, avec cette défaite 2-0 à Saint-Lô, avec un but encaissé en fin de première mi-temps et un second en début de seconde période, donc à la 41e et à la 50e. Donc c'est compliqué dans des moments stratégiques des matchs. Également une défaite face à la réserve du stade Malherbe, avec un but de Hamouda pour Gonfreville, et une étoile quand même de meilleur joueur pour Nias, le gardien de Gonfreville, et on en parlera également. C'est un homme important de cette équipe. Les Cherbourg s'est imposé également face à Gonfreville 2-1. Avec un but, alors que ouais, Cherbourg menait 2-0 et Gonfreville égalisé dans les dernières minutes. Et enfin, la victoire ici, c'était quasiment un derby. La victoire de Dieppe ici face à Gonfreville, et le match reporté entre Gonfreville et l'AF Virois. Notez que le dernier match de championnat, c'était quand même Gonfreville-Quevilly-Rouen. Ah oui. Et Gonfreville a perdu cette rencontre 4-3, avec ici un doublé de Dodard du côté de Gonfreville, un but d'Abdelkader et la réserve de Quevilly inscrivant le but vainqueur à la 94e minute par Johan Rotsen sur penalty, alors que Gonfreville menait 3-2 encore à 15 minutes de la fin, donc face à Quevilly-Rouen B. Donc c'est aussi pour montrer la qualité de cette équipe qui menait quand même 3-2 et à un quart d'heure de la fin. Donc il va bien sûr va falloir se méfier de cette formation. On va parler de la Gécamp, bien sûr, la Gécamp qui est, on le disait, en grande forme avec 10 matchs sans défaite. Coupe de France compris, voici les derniers résultats, notamment avec un match nul, un partout face à Alençon, ça c'était en championnat. La victoire à Agneau en coupe 4-2, le match face au Havre qui a été reporté, la victoire difficile à Fécamp en Coupe de France, et enfin la victoire satisfaisante également face à Passy-Médy 3-1, mais ça a été compliqué face à Passy. Oui, ça a été compliqué parce que, comme on l'a dit, c'est une équipe qui probablement n'est pas à sa place, enfin, force de le dire. On parle de Passy là. Oui, ouais. Je parle de Passy, tout à fait. Mais oui, mais c'est le problème, c'est ça, c'est que ces équipes qui sont en bas de tableau, on a tendance à dire qu'elles ne sont pas à leur place, et c'est vrai que, comme Gonfreville, si on regarde bien, elles ont quand même affronté ce qu'on peut aujourd'hui qualifier de ténor du championnat, puisqu'elles ont joué toutes les deux Cherbourg, elles ont joué Saint-Lô, donc, la réserve d'Avranche. Donc c'est vrai que c'est un début de championnat qui peut être qualifié de difficile pour elles. Pour autant, quand on a des prétentions comme Gonfreville, c'est le genre de match qu'il faut néanmoins, enfin tous les matchs doivent être remportés, ou la plupart en tout cas. Et donc. Et c'est vrai que lorsqu'on regarde les derniers matchs de la Gécamp, ça n'a pas été facile, que ce soit contre Alençon ou les matchs de coupe, ou même face à Passy, où Passy a eu l'occasion de mener 2-1 suite à un pénalty accordé par monsieur l'arbitre, et finalement un pénalty loupé, Passy qui a eu l'occasion de mener 2-1 à la mi-temps face à la Gécamp. Donc ça a été toujours des matchs où il a fallu se battre, et on sait que la Gécamp, si elle n'est pas à 100%, tout de suite, elle est un peu en. On n'a pas beaucoup de marge de manœuvre, j'ai envie de dire. Oui, mais après, on a aussi été habitué au cours des deux saisons passées à ce que ce soit peut-être, je ne vais pas dire facile, mais qu'on ait une petite marge de manœuvre. Et là, en N3, forcément, le niveau s'est élevé. On est avec des adversaires de qualité, de plus grande qualité, c'est normal. Donc le niveau se resserre. Donc il ne faut pas s'attendre à ce qu'il y ait tous les week-ends des matchs faciles. Ça va être âpre à chaque rencontre. Il va falloir faire.
faire preuve de beaucoup de solidité défensive, et c'est le cas d'ailleurs, hein, c'est ce qui permet à l'équipe de s'en sortir. Et malgré les pénalties, qu'on a quand même concédé, l'équipe bah, a quand même concédé 4 pénalties notamment en deux matchs. Ouais, donc c'est beaucoup. Ça. C'est mais, ça. Mais simplement deux transformés. Donc c'est aussi. On va parler de la composition de la GECAN. Il y a eu quelques changements dernièrement pour cette rencontre. On va en parler avec une défense plutôt classique, hein, avec Saminelli et Jules, avec Kenny Renard bien sûr dans les buts. Saminelli et Jules Huet en défense centrale, Romain David à gauche, Morgan Ardouin à droite. C'est la même défense, hein, que face à Passy-sur-Eure. Petit changement au milieu de terrain, même si Nico Suzanne joue en 6, Léo Hamel en 4. C'est Redouane Aouché qui fait son apparition en championnat. Il avait été titularisé en Coupe de France et là, c'est sa première titularisation en milieu de terrain en championnat. Également, quelques changements du côté des joueurs offensifs avec Alexandre Dias qui se retrouve à droite, Nico Camillo à gauche et Victor Guerrier en numéro 9. Ça n'a pas de changement pour Guerrier et Nico Camillo, mais Alex Dias qui arrive puisque Benjamin Renouault s'est un peu moins entraîné, hein, cette semaine. Il avait eu quelques il a été un emploi du temps un peu chargé avec son travail, c'est un petit peu moins entraîné. Donc Julien Le Pen a décidé donc d'aligner Alex Dias. Et en ce qui concerne Redouane Aouché, avec le numéro 10, il prend la place d'Alexandre Tessier. Donc c'est un match important pour Redouane. Redouane, tout à fait, ouais, qui vient d'arriver au club, qui a eu peu d'occasions pour l'instant de montrer son talent. Donc on compte grandement sur lui et c'est vrai qu'on en aura besoin toute la saison. C'est vrai qu'on a un effectif intéressant, mais pas une profondeur de banc si grande que cela. Donc sur ces occasions-là, il faut se montrer, il faut savoir se montrer. Et vous le voyez, hein, sur le banc, eh bien on met les couvertures avec notamment Anthony Simon, avec Dimitri Milon qui est là, Ben Renault également. Et Alex Tessier aussi. Et Alex Tessier, bien sûr, avec les joueurs, hein, qui se présentent face au public. Un peu de monde, hein, quand même dans la tribune, c'est un peu normal étant donné les conditions météo. On vous en a parlé, hein, je ne sais pas si vous pouvez les voir sur les images, mais quand même très très compliqué ces conditions météo. Et les joueurs vont devoir être vite dans le match. J'espère que l'échauffement a été efficace là, parce qu'il va falloir vraiment rentrer dans ce match. Ça va être peut-être un peu compliqué pour tous les joueurs. Un match qui sera arbitré par Monsieur Frédéric Ortiz. Alors du côté de l'équipe de Gonfreville, hein, il y a notamment la première titularisation en championnat de Cherefcan Bouyouk. C'est un petit peu le joker, la curiosité, enfin le voilà, du côté de Gonfreville, hein, Bouyou qui fut un des espoirs, hein, des générations des plus prometteuses, hein, du HAC, du Havre AC. Il avait été notamment vice-champion de France U19 en 2017. Et il était parti chez le troisième turc au Yeni Malatya Sport la saison dernière. Il y a signé un contrat de 18 mois. C'était pour l'élite turque. Ça n'a duré que 6 mois et il fait son retour. Mais voilà, c'est un grand, grand espoir du football. Et on parlait de lui notamment comme du nouveau Gundogan. Il avait été abordé par de grands clubs. Et puis, ça ne s'est pas très, très bien passé, hein, du côté de la Turquie. Donc, il est revenu ici à Gonfreville, hein, le numéro 10. On le découvrira au cours de cette rencontre. Mais attention, excellent tireur de coup franc notamment. Il ne faudra pas trop faire de faute du côté de la surface de réparation. Mais en tout cas, on peut attendre une équipe de Gonfreville qui, a priori, hein, selon Julien Le Pen, le coach de l'AS GECAN, va être une équipe plutôt joueuse. Avec notamment une grosse participation des latéraux. Donc on risque de voir beaucoup, hein, le numéro 3, hein, Mansour Diallo également. Mamadou Demba, le numéro 2. Mais voilà, c'est une équipe qui est joueuse et qui a un potentiel offensif intéressant, même si leur meilleur buteur est absent. En tout cas, le meilleur buteur de la saison dernière, hein, Steve Mendy. Il avait réalisé 14 buts l'année dernière. Et il est suspendu, hein, suite à un carton rouge. Tout comme Amin Abdelawi. Donc deux suspendus du côté de Gonfreville. Et voilà, c'est parti pour cette rencontre, cette 9e journée de championnat entre l'AS GECAN qui veut continuer sur sa belle série et Gonfreville, hein, qui veut se sortir du bas de tableau. Avec Nico Suzanne, tout de suite Léo Hamel, et on voit tout de suite un pressing très intéressant. Tout de suite avec Thiam qui va se présenter devant Kenny Renard, et cette frappe qui est contrée par Julien.
On voit tout de suite les intentions de Gonfreville avec cette frappe du numéro 9, Amel Thiam. Avec un terrain qui a l'air très glissant. Hein. Ça, sur les premières prises de balle, on s'en est aperçu, parce qu'il y a déjà eu une ou deux glissades, des contrôles un peu approximatifs. Donc ça risque d'être une partie difficile. Ah oui, il faut se méfier, notamment pour les gardiens, hein, de ne pas glisser, ou pour la défense centrale avec Julué et Saminelli. Allez, première action, première tentative pour l'AGCAN avec cette bonne combinaison avec Nicolas Camillo. Il est encore sur la droite, Alex Dia. Ça, c'est un petit peu long. Et c'est le gardien de Gonfreville, Amadignas, qui fait sa première intervention. On voit que ça relance tout de suite très très vite. Tout à fait. Là, ils vont chercher à jouer. Et nous, on va les chercher haut, là, pour l'instant. Je pense que ça fait partie des consignes, même si là... Ah, Julien Le Pen avait notamment renseigné auprès de l'entraîneur de Verson, hein, Verson qui a rencontré Gonfreville, Verson qui s'est incliné 3-0 en Coupe de France, c'était il y a 15 jours maintenant. Et c'est vrai qu'il avait dit que c'était une équipe extrêmement offensive et qui avait peut-être parfois des possibilités, notamment en contre. Donc on va voir, hein, comment est-ce qu'ils vont évoluer. Mais en tout cas, dès les premières minutes, on a vu... la capacité à se projeter de cette équipe de Gonfreville. Ouais, c'est allé très vite, hein, sur cette première action. Ouais, donc il va jouer avec Sofiane Abdelkader, hein, le numéro 11 qui va jouer côté gauche. Avec Mansour Diallo, le numéro 3, qui va sans doute régulièrement monter. En tout cas, c'est les informations que l'on a eues cette semaine. Avec Mohamedou Demba. En relais avec Abdoul Nouro. Allez, Paul perd ce pied, on joue long, un peu trop long. En tout cas, une équipe de Gonfreville entraînée par Rachid Hamzaoui au club depuis 2005. Donc vraiment un long bail. Un long bail. Mais depuis qu'il mène cette équipe. Il avait dit au début de saison qu'il avait un groupe plus armé avec plus de choix offensifs. Des joueurs que c'est vrai qui se connaissent bien, mais il signalait également que c'était un championnat encore plus homogène et plus ouvert que la saison dernière. C'est vrai que la saison dernière, le FC Rouen avait vraiment écrasé la concurrence. Et là, même si Évreux est en tête sans aucune défaite, on peut penser que ça se passera, même si Évreux est favori, hein, on peut penser que ça ne sera pas tout à fait la même histoire qu'avec le FC Rouen la saison dernière. Bah, il faut l'espérer, parce que faut qu'il y ait un peu de suspense quand même dans le championnat, et puis que tout le monde reste concerné jusqu'à la fin. Donc il joue pour l'instant, voilà, Gonfreville, l'équipe de Gonfreville cherche à jouer. Pas de long ballon, pas de précipitation. Donc, Thomas est avec nous, hein, bien sûr, avec les réseaux sociaux. C'est permis en bord terrain, étant donné les conditions un peu compliquées. Donc vous pouvez, hein, nous poser vos questions sur le direct, hein, sur la page YouTube, mais également sur nos réseaux sociaux. Et Seken74 qui dit « Je redoute beaucoup cette équipe et ce match ». Et Riril 28, hein, attention aux 20 premières minutes à ne pas louper le début de match. C'est vrai que Gonfreville avait marqué quelques buts dans le premier quart d'heure notamment. Et on l'a vu d'entrée notamment par cette première action d'Amel Thiam, bah, contrée par Julie. Ouais. Le mental est important, hein, dans ce genre de match-là. Et c'est vrai que plus on maintient le score nul, et plus ça nous sera favorable. Je pense que c'est une équipe qui, avec le classement qu'elle affiche aujourd'hui, peut être fragile mentalement et vite se sentir en danger si le temps passe et qu'elle ne parvient pas à trouver la faille. Donc je pense qu'elle a connu quand même pas mal de déceptions, hein, depuis le début de la saison, mais de mésaventures avec toutes ces défaites, et souvent sur le fil du rasoir. Donc elle doit être assez friable d'un point de vue psychologique. Mais c'est vrai qu'auprès Julien Le Pen, hein, qui mène son enquête à chaque fois avant de rencontrer les équipes, s'est aperçu que quand même les entraîneurs adverses disaient que cette équipe n'avait rien à faire à cette place-là. Donc on en parlait, très bon tacle, hein, de Saminelli, là, très bonne récupération. On est devant le panneau publicitaire, là-bas on a un petit peu mal à voir, mais ça va jusqu'à Amadignas. Et Seken, encore lui, qui nous pose une question, qui demande si ce type de terrain est-il plutôt favorable aux grands gabarits ou bien aux joueurs vifs et techniques. Bruno, à votre avis? Ah, c'est compliqué, parce que ça reste malgré tout un synthétique, donc ça dépend de la vitesse de ce synthétique-là, c'est sa capacité ou sa facilité à absorber l'eau.
Donc à partir de là, je serais tenté de dire que s'il n'est pas trop rapide, ça gênera pas ni les uns ni les autres. S'il y a vraiment de la vitesse, peut-être qu'au niveau des appuis, ça peut être plus gênant pour les plus grands, mais bon, je pense qu'aujourd'hui, avec les préparations que les joueurs ont, on voit que la mobilité, elle est bonne pour tout le monde. C'est pas, il n'y a pas vraiment de personnes handicapées, quelle que soit la surface. Allez, ce ballon pour Kenny Renard, comme on le disait tout à l'heure, qui reste sur 4 pénalties. J'espère que c'est une série qui va s'arrêter pour Kenny, même s'il en a quand même arrêté 2 sur les 4. Il y a des Allez, espaces. C'est pour Il y a Nico des Camillo. espaces. Nico Camillo, là, qui va peut-être rentrer dans la surface de réparation. Non, il tente le centre, là, et c'est repoussé par la défense de Gonfreville pour Nico Suzanne. Allez, on tente d'écarter ce bloc de Ah, Gonfreville. il se fait chahuter là. Ouais, c'est bien. Et puis là, c'est en puissance. Attention à Mansour Diallo, hein. C'est l'un des dangers numéro un, hein, de cette équipe. Il vient intercepté par Samy Nelly, mais là, une percée, là, on le voit, hein, tout en puissance, intéressante. D'ailleurs, c'était Mohamedou Demba, le numéro 2, qui avait fait cette montée rageuse. Allez, on tente de s'organiser, Nico Camillo, que l'on voit pas mal pour l'instant. Monsieur l'arbitre qui dit qu'il n'y a rien. On continue à jouer. Allez, récupération de Redouane Aouché. Hein, on vous l'a dit, première titularisation ce soir. Il va falloir qu'il montre ses qualités. Et notamment en vue du match de Granville, hein, pour la semaine prochaine. J'espère que ce n'est pas un match qui est trop dans les têtes de l'AGCAN. Ah, il l'est forcément un petit peu, on joue pas toutes les semaines et toutes les saisons d'ailleurs, un septième tour de Coupe de France. Donc bon, même si c'est le deuxième consécutif. Donc forcément les joueurs vont y penser, n'ont pas envie de se blesser, n'ont pas envie d'être suspendus. Donc enfin la seule crainte d'ailleurs c'est le carton rouge, puisque un carton jaune ne les suspendrait pas pour ce match-là. Ouais, Samy Nelly Donc sera déjà suspendu, d'ailleurs. il y est déjà, oui, Ouais. mais du fait des cartons précédents. Donc non, après une fois les matchs démarrés, je pense qu'on oublie un petit peu. C'est plus lorsqu'il y a des situations un peu chaudes sur des interventions que les joueurs doivent faire, qu'il faut être prudent et qu'ils y pensent peut-être, mais je pense qu'une fois dans le match, c'est plus compliqué. Allez, pour l'instant, un match plutôt équilibré entre ces deux formations là qui vient de commencer. Après 8 Oui. minutes de jeu, pas vraiment d'occasion de part et d'autre, mais on voit quand même un bon rythme et deux équipes qui sont joueuses. Allez, Diallo. On voit, les appuis sont difficiles quand même, hein. Même pour Ouais. les petits joueurs, donc enfin les petits de taille en tout cas. Les plus petits joueurs, là on a vu encore Alex Diaz glisser. Donc c'est je pense plutôt la qualité du synthétique qui est à regarder ici, puisqu'il doit être bien gorgé d'eau. Ouais, on le voit quand même luisant ce terrain devant les surfaces de réparation, notamment et sans risque pour Kenny Renard, qui était pressé par Wilfried Daudard. Wilfried Daudard sur le numéro 7. Wilfried Daudard, depuis 6 ans au club, hein, qui reste sur un doublé en championnat face à Gonfreville. Quevilly, peut-être, Quevilly Rouen. Quevilly-Rouen, pardon. Ouais. Avec cette défaite 4-3, un doublé de Dodard et un but d'Abdelkader, le numéro 11 sur le côté Ils gauche. sont présents là, hein, sur le porteur. Hein. Dès qu'il y a un ballon qui est mis sur un joueur de haut but, on sent qu'il y a de la présence athlétique. Et Morgan Ardouin. Donc c'est une équipe qui a vraiment ces arguments-là. Hein. Ça se ressent tout de suite. Il y a de la percussion, il y a vraiment de la vitesse aussi. Ouais, Donc c'est assez athlétique. ça se projette très vite. Allez, Kamal Hamouda, le numéro 6 de cette formation de Gonfreville. Un des joueurs importants Un beau aussi. duel avec Léo Hamel, puisque ce sont deux Ouais. joueurs de grande taille quand même. Un élément important aussi de cette formation. Tireur de pénalty, hein, notamment. Et on essaie de relancer de derrière. Pour l'instant, c'est propre à ce que nous présente cette équipe de Gonfreville. Deux équipes qui s'observent un petit C'est peu. ça, et ben les équipes ne se livrent pas. Kevin Ozou perd ce pied. Allez, on tente long. Ouais, ça va être compliqué sur ce terrain. Évidemment, le ballon qui fuse tout de suite. Ça va dans les bras juste à Kenny Renard. Longue relance à la main. C'est très bien joué, ça, de la part de Kenny. Voilà, première Ah oui, faute là, sur avec un Nico carton tout de Camillo. suite là.
Je sais pas. Eh si, 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 si. Si, Carton si, c'est un d'entrée. carton là, parce que l'action était quand même dangereuse, il était en pleine vitesse. Donc carton jaune. On va essayer de voir qui a été sanctionné. Carton jaune pour Kamel Hamouda, le numéro 6. Donc attention, ça fait tôt quand même hein, pour Kamel là. Kamal, pardon. Ce carton jaune. Dès la 10e minute, il va falloir qu'il surveille ses interventions. Et c'est peut-être une bonne chose hein, pour les attaquants Ah ben de là, il va l'AG. être obligé de mesurer. Attention à ces ballons qui fusent devant la surface de réparation. Ça se regarde un petit peu dans la défense de Gonfreville, mais il récupère quand même avec Abdelkader face à Alex Diaz qui se bat aussi également. Attention à la Abdelkader. Bonne intervention de Saminelli là. Nourou et Bouyouk. Le numéro 10 hein, qui arrive Avec le du contre. hack. Nourou, attention, Attention, qui pas trouve le recul du. Abdelkader sur le côté gauche et qui tente, hein, qui tente la frappe tout de suite de son pied gauche. Et oui, un ballon perdu bas, très bas, et tout de suite, l'adversaire est présent. Ouais, on l'a vu avec des conditions difficiles, hein, puisque la GECO avait récupéré quelques fois de ballon, elle a reperdu assez rapidement. Mais bon pressing des joueurs de Gonfreville, notamment avec Nourou et Bouyouk. Et Julien, lui aussi, il n'hésite pas à jouer long avec cette montée de Magnifique. Morgan Ardouin. Julien qui a évolué avec Kevin Ozou, notamment en sélection Normandie. Kevin Ozou, le numéro 5, là, qui vient d'avoir le ballon, justement, en Coupe des Régions UEFA, où la Normandie s'était retrouvée en finale et avait été éliminée en phase de poule. Mais ça avait été une belle aventure pour Julué et les Normands. Il y avait également Steve Mendy hein, qui joue à Gonfreville, mais qui est suspendu ce soir, qui faisait partie de cette sélection. Hamouda face à Léo Hamel. Ouais, vous l'avez Ah, c'est dit, un hein, bon ballon ça. deux C'est un beaux gabarits. très bon ballon là, hein. Très bon C'est bien décalage. joué là-bas. Attention, bonne intervention de Romain David. Attention au numéro 2, hein, Mamadou Demba là-bas sur le latéral. On n'a pas parlé également des absents quand même pour la GECAN et Maxime Rouanel, bien sûr, qui est suspendu. Et également côté gauche là-bas, Avec la réussite, un ballon qui. Abdelkader Oh, Hadji attention. qui est actuellement blessé. C'est donc Romain David qui se retrouve au poste d'arrière gauche. Le voici justement, Romain David qui a délivré une super passe décisive hein, face à Passy-sur-Eure. Il en retente une nouvelle là pour Alex Diaz qui avait peut-être un petit peu de temps. Et qui aurait pu aussi, bon, même s'il était éloigné du but, il aurait pu la tenir, enfin, il l'a tenté d'ailleurs. Mais il faut, quand on le tente comme ça, il faut que le geste soit réussi. Parce que là, une tête piquée. Ah, je pense qu'il a voulu faire une remise, peut-être. Une remise à Victor Allez, Guerrier, je. peut-être à côté. Et il avait presque le temps de. Voilà, un petit contrôle de la poitrine et puis une reprise du gauche, pleine lucarne. Voilà, Voilà. bon, c'est simple. C'est Tout à simple le fait. football. C'est pas compliqué quand c'est joué comme ça. Mais, je vous le dis pas que j'aurais réussi, hein, c'est sûr même que non. Mais c'est vrai que Oh. d'une tribune, c'est quand même facile à commenter. Attention à cette nouvelle attaque. Bonne intervention de Julué. Julué et Sami Nelly hein, qui interviennent beaucoup là, qui anticipent beaucoup sur les passes des joueurs de Gonfreville. Ah, c'est bien joué ça de la part de Diallo. Mais la suite de l'action est moins bonne. Ouais, masse mal ajustée de la part de Diallo pour Nourou. C'est vrai que Gonfreville avait beaucoup recruté à l'intersaison côté offensif. Et puis finalement, on s'aperçoit que bah, ils ont quand même quelques absences de ce côté-là. Il y avait notamment l'histoire qui s'est passée avec Amadou Alassane, notamment. Oui, c'est vrai qu'il a quitté l'équipe très vite puisqu'il n'a Ouais, fait que 2 matchs, c'est c'est ça, hein? ça. Il était arrivé, bon, l'ex-professionnel du Havre, hein, Amadou Alassane. Qui était venu pour un dernier challenge ambitieux et qui finalement après de qui était le fer de lance hein, de l'attaque de Gonfreville, hein, Amadou Alassane, 36 ans, et qui finalement n'a disputé que deux rencontres avant de partir à Dieppe. Donc c'est vrai que c'est pas des situations faciles à gérer pour des clubs, pour un effectif. Lorsqu'un joueur est recruté et finalement au bout de deux matchs rejoint une autre équipe et d'autant plus le FC Dieppe quand même, qui est un des clubs de la région, un des clubs concurrents de Gonfreville. Dans le même championnat. Ouais, c'est assez étonnant. Ouais, Mais bon. attention, Abdelkader, là, il y a notamment Diallo qui plonge là-bas. C'est bien joué de la part de Nico Camillo qui est venu seconder Romain David. Léo Hamel, Alex Diaz, faut l'attaquer ce Ah ballon. oui. Faut l'attaquer parce que Diallo
Il s'en empare. Attention. Un petit mauvais contrôle d'Abdelkader, c'est Bourbouillouk en relais. Juluet. On le voit, hein, le rôle important des latéraux. Oui, ça va peut-être sentir un carton, peut-être, ça, non? Hein, il ça en a déjà mis un à Amouda tout à l'heure. Ça sort bien. Monsieur l'arbitre qui décide de ne pas en mettre un à Nourou. Oui. Mais on voit qu'aussi, y a de la vitesse hein, du côté de la GECAN avec notamment Redouane Aïouché et Alex Diaz. Ils sont gênés hein, par justement ce style de jeu. On voit bien hein, que la vitesse proposée. Alors attention, c'est ballon plein axe, là, Nico Camillo. Parce que là, ça va vite derrière. Oh, attention, il est passé au travers, là, Julien. Kenny Renard qui hésite. Il y va finalement, il sort hors de sa surface de réparation. C'est bien joué de la part de Kenny. Et il a glissé en plus, Kenny. Et ce ballon qui sort finalement. Très, très dangereux, là, cette balle perdue, plein axe par Nico Camillo et tout de suite. Et on le voit là, hein, sur le ralenti. Et attention là, parce que. Bon. Et donc, c'était face à Sofiane Abdelkader. Qui finalement. Donc Kenny Renard qui est sorti, qui a un petit on peu voit hésité. La faute, hein, oui. Ouais, c'est indiscutable. Il a un petit peu hésité. Direct. Et puis finalement, il y a quand même le portier de la GECAN s'en est sorti. Quelques imprécisions quand même hein, dans le jeu court de Gonfreville. Attention Bouillouk là qui lance un petit ballon par-dessus. Quelques imprécisions qui sont assez surprenantes peut-être pas, mais bon, qui montrent qu'ils sont pas très à l'aise dans ce jeu court. Hein. Ouais, il pleut toujours autant, hein. C'est vrai que c'est des ballons qui fusent énormément. Normalement, la météo avait prévu une petite éclaircie en fin de journée. J'espère qu'on l'aura peut-être pour la deuxième période. Ah, un bon ballon là, un plein axe pour Redouane. Allez, Redouane qui est lancé, là, qui oh, il aurait presque pu la lâcher pour Nico Camillo. Il préfère Victor Guerrier qui tente la frappe du gauche. Première frappe de la partie pour la GECAN. Et une balle qui passe au-dessus du but de Nias. Ah, il y avait peut-être mieux à faire là. Hein. On le voit sur le ralenti. Donc il a tardé à libérer son ballon. Et même là, on voit bien que Victor tente une frappe du pied gauche alors que je pense qu'il peut l'emmener pied droit. Il peut l'emmener pied droit, il a le temps. Ouais, Redouane qui avait peut-être la possibilité de lancer Nico Camillo, hein, qui est arrivé vraiment pleine balle là sur son côté gauche. Mais ça laisse des possibilités. On voit qu'il y a des possibilités. C'est ce ballon-là qu'il faut être vraiment vigilant, là, et même sur le deuxième. Allez, Bouillouk, bien contré voilà. Par Nicolas Suzanne, hein, toujours là pour récupérer ses ballons. Véritable métronome de cette équipe de la GECAN. Élément très très important, hein, même si on ne le voit pas toujours beaucoup. Léo Hamel. Ouais, ils sont gênés, hein, ils sont gênés. Les joueurs de Gonfreville par allez, la vitesse. Bon centre de Romain David, ça se voit au deuxième poteau. Là, c'est un peu long pour Alex Diaz. Il est pris de vitesse en plus. Ouais. D'ailleurs, c'est Ken qui nous dit que eh bien, Romain David fait un bon début de match pour lui. Il fait même un bon début de saison, Romain. On va dire. Il a su trouver le rythme de la N3 assez rapidement. Ah, c'est vrai, on peut le dire. Il se posait des questions quand même à l'intersaison. Voilà, savoir si... s'il allait continuer ou pas, si, parce que c'est clair qu'il y avait de la concurrence, notamment avec l'arrivée d'Abdelkader Hadji. Et bien la concurrence, ça a du bon. Et puis voilà, là, un championnat, c'est long, avec les matchs de coupe, etc. Donc tout le monde exactement. A sa chance. Les blessures. Attention. Voit, hein, c'est ouais. Ce que vous disiez, Xavier. Vous disiez ça au début du match, c'est qu'ils vont beaucoup utiliser les côtés. On le voit bien. Hein. Là, très rapidement, ils vont... se projeter et chercher leurs deux joueurs de couloir, leurs deux latéraux. Allez, Morgan Ardouin. Un bon ballon. Ouais, c'est peut-être un peu fusé. Long. La tête fusée. Et sortie de Nias. Oui, il a du coup le rôle important également des gardiens là, dans l'anticipation. Et c'est bien joué de la part du capitaine de Gonfreville, Amadi Nias. Élément important hein, de cette formation. Troisième saison au club. Hein. 33 ans, il a fait beaucoup de clubs. Hein. Montgaillard, Port Autonome Municipaux, Gravenchon, Cocrioville, Dieppe, Pont-Audemer. La Corpo de Renault aussi. Tiens, voilà, je vois sur mes fiches. Pont de l'Arche, Les Neiges. Mais là, il s'est fixé hein, depuis quelques saisons ici à Gonfreville. Morgan Androin, c'est une touche longue. Récupération de Nico Suzanne. On a du mal à. Oula, une mésentente entre les défenseurs là, qui aurait pu être préjudiciable. On a du mal à poser ce ballon. Attention à ces ballons-là, Saminelli. C'est le deuxième ballon, là. C'est bien... bien joué de la part de Redouane Aouché, hein, qui s'était replié.
Attention là, parce que c'est ce qu'ils attendent, hein. Ils attendent que l'avant-garde sorte un peu. Alors comme il y a beaucoup d'imprécisions et les interceptions sont nombreuses. Superbe intervention là de Romain David. Les centres sont encore un petit peu imprécis, mais c'est vrai qu'on sent Romain David, comme disait Seken, plutôt en forme. N'hésitez pas à participer hein, sur les réseaux sociaux pour nous poser des questions, notamment sur la chaîne YouTube, puisque nous sommes retransmis en direct. Allez, Samy, il faut intercepter ça. Voilà, très bien joué par rapport à Julué qui glisse. Il réussit à se. C'est un terrain difficile. À se rattraper. Hein. Terrain difficile. Allez, pas de risque. Ça glisse beaucoup. Hein. On l'a vu, il y a déjà eu beaucoup de glissades. Kenny Renard tout à l'heure. Alex Diaz, Jules tout de suite. Il va falloir être vigilant sur ces ballons longs. Une pensée aussi pour Michel. Michel le neveu hein, qui doit être en train de nous. L'intendant, notre intendant fétiche. Qui doit être en train de nous regarder de son lit d'hôpital. Donc Michel, on pense à toi. Tout le club pense à toi. Et j'espère que tu vois ce match en direct. Et j'espère que les joueurs pourront t'offrir cette victoire. Et on espère te retrouver très très vite hein, sur le banc de touche et sur les bords de terrain. Allez, Morgan Ardouin. Ah, il est gêné. Un bon pressing. Et un ballon qui est tout de suite rendu à l'adversaire. À Gonfreville. Donc le rythme monte un petit peu. Pas d'occasion, hein, ni d'un côté ni d'autre pour l'instant. Non, pas de tir cadré. Une sortie de Kenny Renard tout à l'heure, une frappe de Victor Guerrier pour l'instant, c'est la seule frappe de la rencontre. Une frappe qui est passée au-dessus. Allez, Redouane Aouché. Ah, Redouane, il y avait la possibilité hein. Encore. Il son petit péché mignon là, le dribble. Ouais, là, on voit hein, tout de suite, ils essayent de trouver le jeu long là. Ouais, mais normalement, Julien Le Pen et son staff, hein, bien sûr, hein, Karim Abdennyaya. Et Jean-Jacques Pierre ont prévenu les joueurs. Ils s'attendaient à ce genre de déboulé des latéraux, notamment. Ils disaient que ces latéraux montaient énormément, mais du coup, ça pouvait laisser des possibilités aussi derrière. Des possibilités de contre. Allez, Léo Hamel. Et Nourou, hein, le numéro 8 de Gonfreville, qui prend beaucoup de ballons au milieu de terrain. On voit, c'est quand même une bataille là-bas. Oui, dans un petit périmètre. Ça y est, c'est le ballon est sorti. On essaie d'organiser avec Amad Ignace. Beau gabarit, hein, ballon ce gardien. Long. Voilà le jeu. Il faut savoir anticiper. Sur Abdelkader. Ah, une faute. Ouais. Non, monsieur l'arbitre. Qui a pas été ouais, il y a quand même une petite charge dans le dos. Ouais. Alors soit c'était faute, soit c'était touche pour l'avant-garde, mais surtout pas touche pour Gonfreville. Petite erreur d'appréciation. Diallo à la touche. Ouais, ça bouge pas beaucoup là. Du côté de Gonfreville, on cherche des solutions. On cherche Etiam, hein, bonne intervention de Morgan Ardouin. Hein, ouais, pas c'est de risque. Surtout un ballon rendu là. Hein. Là, il est littéralement rendu. Et Morgan Ardouin, encore lui, voilà. Contré par Abdelkader. Mais là, Gécamp qui récupère. On voit quand même que les conditions de jeu sont compliquées. Il fait froid, en plus. Je ne vous cache pas qu'en tribune, on aurait bien pris des gants. Nous aurions dû prendre des gants. C'est encore tôt. Pas trop de vent, a priori, en tout cas. De la pluie, mais pas du vent. Léo Hamel. Allez, Romain David, qui a encore cherché le capitaine de la Gécamp là dans l'axe. Léo Hamel. Il va y avoir des possibilités, ça c'est certain. Ouais. Il y a beaucoup d'espace entre les lignes. Capitaine depuis cette saison. Élément moteur de cette équipe de la Gécamp depuis le projet United Managers. Allez, Redouane. Aouché, pardon. Ouais, ça fuse et ça va vite derrière. Et voilà, ça, c'est parti. Attention, c'est parti là-bas. C'est ça. Hein. Et bien, bon retour. Très bon retour de Nico Suzanne pour Edouane Aouché. Là, il y a peut-être une possibilité en contre, hein, même si ça se resserre c'est très rapidement. Trop vite perdu. Bouyouk, Endur, Nourou, pardon. Abdelkader. Ça va être le centre bien contré par Morgan Ardouin. Morgan Ardouin qui fait un bon début de match aussi.
Amouda, Ouais, voilà, attention le à décalage, on l'a dit, sur les latéraux. Et oui, Ademba là-bas. Et ce centre pour Kenny Renard. Voilà, la première incursion vraiment dangereuse, si on peut dire. Allez, maintenant ça Avec un décalage. Elle se replie bien pour l'instant, les joueurs de Gonfreville, avec une petite possibilité pour Morgane Ardouin. Il faut qu'il la mette tout de suite au deuxième poteau. Ouais, elle est bien mise. Oh, c'était dommage, c'était pour Victor Guerrier, c'est pas fini. Alex Diaz qui a un petit peu de mal avec sa tête là ce soir. Et il y a du monde derrière lui. Et oui, je pense aussi. Et oui, que le ballon a été retouché par Alex Diaz, ce qui lui fait perdre le bénéfice de la touche au profit de Gonfreville, qui Donc va là... pouvoir se relancer, mais c'est. Donc là, on a vraiment vu le jeu de Gonfreville avec les latéraux et notamment avec une prise de risque Diallo. maximum de la défense. Grosse prise de risque à la fois du défenseur latéral et du gardien. Très très grosse prise de risque avec ce crochet un peu long qui l'oblige à derrière tenter une passe en retrait vers son défenseur. Allez, Romain David au corner. Hein. C'est d'un corner que la Gécamp avait ouvert la marque face à Passy-sur-Eure. Romain David qui avait eu une deuxième possibilité de centrer après ce corner et qui avait trouvé Benjamin Renault. On connaît la qualité des coups de pied de Romain David. Allez, il y a du gabarit hein, bien sûr avec Léo Hamel ou encore Julué qui peuvent reprendre ce ballon. Romain David. Il est bien tiré. Et c'était au corner à nouveau. Ouais, il y avait également Saminelli, hein, c'était pour. Les grands sont montés. Ouais. On voit que Julué est laissé un peu seul. Une nouvelle possibilité pour le latéral de la Gécamp. C'est au deuxième poteau là-bas ou c'était Saminelli. Deux tout seul au deuxième poteau. Ah oui, là, la défense avait. C'était Saminelli hein, qui avait une possibilité de reprendre ce ballon. Allez, pas de risque de la part de Julu. Et on repart derrière avec Kenny Renard. Allez, c'est peut-être un temps fort pour la Gécamp là après ces hésitations défensives de Gonfreville. On cherche bien sûr Léo Hamel, superbe contrôle, il a des possibilités avec Alex Diaz, et le tir. Et c'est le but d'Alex Diaz. Oh, superbe. Très beau but. Sur cette relance hein, de Kenny Renard pour Léo Hamel. Léo Hamel qui contrôle, il a deux possibilités, Alex Diaz ou Nico Camillo. Et là c'est Nico Camillo qui, dans son contrôle, met Alex Diaz en position parfaite. Et c'est le premier but de la saison, je pense, pour Alex Diaz. Superbe, c'est très bien. Il est généreux, cet Alex. Vraiment un grand cœur. Alex Diaz, j'ai envie de dire, c'est le premier but avec la Gécamp en championnat. Et je... Ce que j'avais justement cherché cette semaine. Bon, ben voilà. J'étais sur son cas. C'est superbe alors. Et il avait réalisé 3 passes décisives. Et eh bien, c'est son premier but avec la Gécamp. Il est récompensé, Alex. Hein. C'est un jeune joueur. Pétri de talent, c'est vrai qu'il y a de la concurrence à son poste. Hein. Enfin, à son poste, il peut jouer à plusieurs postes. Ouais, il est polyvalent. C'est peut-être d'ailleurs pas forcément un avantage pour lui, cette polyvalence. Parce que... Mais en tout cas, la Gécamp eh bien, qui prend l'avantage hein, dans cette rencontre hein, sur quand même ce dégagement de Kenny Renard, ce relais de Léo Hamel. Et Léo Hamel, passe décisive pour le capitaine. Mais on a vu, il avait 2-3 possibilités là, dans la défense de Gonfreville. Attention, parce que sur son ballon qui est contré, bien, bonne intervention de Kenny Renard. Toujours vigilant. Léo Hamel qui avait 2-3 possibilités, 2-3 solutions dans la défense de Gonfreville. Et vous l'avez dit, Bruno, ce petit contrôle de Nico Camillo pour Alex Diaz. Il profite, oui. Je ne sais pas s'il l'a fait dans ce sens-là. Mais il oui, je ne suis pas sûr que ce soit volontaire. Mais peu importe, en tout cas. Ils se sont sans doute parlé et ils se sont bien entendus sur cette occasion. Et il est précieux, hein, ce but. Il est précieux, tout comme tous les buts, d'ailleurs. Là, tenté de dire. C'est vrai il arrive à un moment opportun, il n'y a pas eu de danger pour l'instant, et donc pour la confiance, c'est très bon. Attention Abdelkader, il ne faut pas se relâcher après ce but. Julué. Qui n'évite pas le corner. Et donc attention, parce qu'il y a également de la présence athlétique à Gonfreville. 1-0 donc pour la Gécamp. But inscrit. Donc à la 26e, vous pensez 26-27, on n'est pas à une minute près. L'important c'est qu'il soit au fond. Et il y est bien. Alex Diaz. Son premier but de la saison, je crois le premier but depuis qu'il est en match officiel, enfin en tout cas en championnat. Depuis qu'il évolue
Avec la Gécamp, attention à ce corner, Léo Hamel, qui s'est passé un peu au travers, et Romain David qui va peut-être pouvoir relancer, qui cherche Victor Guerrier là-bas. Bonne intervention de Kevin Ozou. Ça peut mettre encore en doute Gonfreville, bien sûr, étant donné leur position là, ce but encaissé. Ouais, complètement, mentalement c'est difficile parce que pour l'instant ils n'ont pas vraiment réussi à s'approcher de la défense, hein, du but en tout cas gardé par Kenny Renard. Prendre un but là, 30e minute, bon, il y a encore beaucoup de temps, de toute façon, beaucoup de temps. Mais quand on est dans cette position-là, ça fragilise forcément parce que ça va les obliger à sortir un peu. Et là, il y a un coup franc intéressant, on ouais. l'a dit. Hein. Attention avec Bouyouk, hein, qui est un excellent tireur de coup franc. Il va falloir se méfier hein, face, surtout c'est, ça va plonger là dans la surface de réparation de Kenny Renard. Ah, c'est pour Kenny ça, non? Non, et voilà, et l'égalisation le non. Et si, c'est sifflé. Ah oui, c'est sifflé, mais pas pour un hors-jeu en tout cas, parce que monsieur l'arbitre n'a pas levé le drapeau. Alors qu'est-ce qu'il a signalé? Une faute peut-être? Une faute Ah, c'est une faute, je pense. Si, c'est une faute. Oui, il y a une faute. Légère poussette. Faute. Légère poussette dans le dos. Là, Eh bien, on peut dire que l'avant-garde s'en sort bien parce que. Oui, parce que c'était. Je pense que tout le monde l'aurait pas sifflé. Hein. Et on est bien d'accord. Monsieur Ortiz a pris ses responsabilités. Et donc petite poussette d'Abdelkader, là je crois que c'était dans le dos de Morgan Ardouin. Mais là Gécamp s'en sort bien. C'est vrai qu'après un but en général, plutôt tendance à se déconcentrer, à se relâcher. Et là c'est vrai que ça aurait complètement relancé cette rencontre. Morgan Ardouin pour un bon centre sur Victor Guerrier, ce ballon qui passe devant. Ah, hésitation hein, encore une fois du gardien, j'ai pas trop bien compris le geste, mais. Je pense qu'il a laissé plutôt de prendre le risque d'intervenir. On va revoir ça. Sur le ralenti. Je pense qu'il a préféré laisser fuser ce ballon. Ouais, pas trop de danger quand même. Le premier attaquant était assez loin. Et le capitaine, hein, Amad Ignace, hein, qui parle à Monsieur Ortiz, à l'arbitre, justement, pour il cherche à comprendre un petit peu le refus de ce but, le refus de but de Gonfreville. Mais oui, je pense que c'est vraiment sur cette petite poussette d'Abdelkader sur Morgan Armand. D'un autre côté, c'est vrai qu'il était étrangement seul pour ajuster cette tête-là. Sans adversité, c'était un peu étonnant, mais on comprend mieux. On comprend mieux, il a fait un peu de place. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'a jugé l'arbitre de la Monsieur rencontre. Ortiz. Monsieur Ortiz. Allez, maintenant, il faut tenir là jusqu'à la mi-temps. C'est vrai que c'était la véritable première occasion hein, de la Gécamp dans cette partie. Mais on sent la Gécamp là, commencer à maîtriser cette rencontre, à réussir à poser le ballon. Et a bien organisé son jeu. Ah oui, là il s'est fait. Léo Hamel s'est fait un peu chahuter. Morgan Ardouin. Et Léo Hamel il est vite revenu. C'est la bataille, c'est la bataille. Hein, il faut la gagner. Ah, c'est vrai qu'il y a des moments où on voit, hein, ça glisse. Eh oui. Ça glisse du côté des grands gabarits, comme on le disait tout à l'heure sur la question de Seken, des grands gabarits de Léo Hamel. Attention à cette contre-attaque encore avec Abdelkader. Un côté gauche poursuivi par Alex Diaz. Il réussit à centrer sans problème pour Kenny Renard. Qui doit se méfier également, Kenny, des ballons glissants, fusants. Mais on fait confiance au gardien de la Gécamp qui réalise première partie de saison assez impressionnante hein, quand même. Ah, il est solide. Kenny Renard avec Kenny Renard en championnat et Jean-Daniel Hartel en Coupe de France qui réalise aussi également un excellent début de saison. Ah, c'est la bataille là. Hein, c'est les batailles. Ouais, mais c'est la Gécamp qui s'en sort dans ce combat. Ça prouve aussi la volonté de Nico Suzanne ou encore de Morgan Ardouin là sur ce coup. Alors qu'on voit hein, cette pluie qui tombe là sur le stade avec l'entraîneur de Gonfreville, Rachid Hamzaoui. Gonfreville, on le disait, hein, troisième saison en National 3. Il finit 8e et 7e les deux saisons précédentes. Et c'est vrai qu'il va dans les déclarations de début de saison qu'on a pu revoir là dernièrement dans les archives. Rachid Hamzaoui qui espérait jouer un peu plus haut cette saison. Mais c'est vrai qu'ils ont rencontré pas mal d'équipes de haut de tableau. Ouais, tout à fait. Mais bon, on est déjà arrivé quand même au huitième match. Donc, à neuvième journée, ouais. Mais certains, c'est même neuvième journée.
Donc ça veut dire que ben, des équipes de haut de tableau, il n'y a pas que celles-ci qu'ils ont rencontrées finalement. Parce que QRM pour l'instant n'est pas encore dans le haut de tableau. Je crois qu'il y a eu Dieppe également qui n'est pas dans le haut de Ouais. tableau. Donc bon, j'essaye de comprendre un petit peu les raisons pour lesquelles le début de saison est un peu mitigé. Allez, Abdelkader, le gaucher, hein, qu'on voit pas mal là dans cette partie, mais bien contrôlé par Morgan Ardouin. Et bien épaulé, secondé Ouais. par Alex Diaz, et on le voit, hein, il a été efficace devant, il est efficace également en position défensive. Donc un bon match pour l'instant d'Alex, combatif, comme à son habitude. Alex est arrivé du Portugal hein, la saison dernière, qui était dans les équipes de jeunes de Boavista. Mais s'il me semble, il faudrait que je vérifie si c'est Boavista. Attention, Victor Guerrier qui a le contre. Oui, c'est ça, Boavista. Victor Guerrier, oh, qui s'emmêle les crayons là. Ah oui, et puis derrière, attention, le retour. Ah, c'est dommage, hein, il y avait Redouane Aouché qui avait plongé. Allez, allez, tout le monde glisse, Ah hein. ouais, ça Là, glisse, ça c'est. glisse, ça glisse, ça glisse. Et là, c'est. Dodard hein, qui en profite là-bas. Allez. L'arbitre laisse quand même jouer pas mal et pas forcément à l'avantage de Gonfreville sur cette action-là, puisqu'il y avait eu un tacle quand même un peu hasardeux de Saminelli. Et là, avec une main, pas signalé. À noter également hein, l'absence de Ibrahima Camara hein, qui a eu quelques matchs dernièrement avec l'AG Caen. Et pour le moment, Julien Le Pen préfère aligner Saminelli. Allez, la touche pour Gonfreville, là, 9 minutes de la fin. Gonfreville qui accélère, là, qui a tendance à prendre le jeu à son compte Oui. depuis quelques minutes. Mais c'est normal, il faut que aussi Gonfreville se montre et prenne des risques. On Ah, va il y a voir des si duels, en hein. contre. Vraiment des duels. Ouais, Victor Guerrier là-bas avec Léo Hamel, c'est compliqué pour s'en sortir. Il y a une faute là. Une faute là de Victor Guerrier, il me Ah, c'est semble. difficile, les appuis sont difficiles. Et donc là, on va peut-être aller dans le sens de Seken, puisqu'on s'aperçoit que c'est compliqué, peut-être pour les plus grands. Peut-être un petit peu plus pour les plus grands, même si on a vu des moins grands glisser. Alors, est-ce que les crampons, si on peut parler de crampons sur des synthétiques, mais je pense que oui. Est-ce qu'ils sont bien adaptés? Mais c'est difficile, hein. On a Alors, vraiment. attention, il est long ce ballon. Kenny Renard, sans problème là, juste devant Dodard. Alors que Stéphane Cassis, hein, sur les réseaux, encourage l'AG Caen. Allez, les bleus et blancs. Et Pripandou Tour nous mettait il y a quelques minutes. Si Caen monte un peu le bloc, ça devrait aller. Et il nous disait un petit Il but. est déjà monté, hein, il est Ouais. déjà monté par rapport au Un début de petit match, ça c'est 1-0 à sûr. la 88e minute, ça sent impeccable. Impeccable. Bon, bah, ça sera peut-être un petit 1-0 avec à la 26e. Hein. Pripandou. Allez, intervention encore là. On le voit, hein, Allez, c'est quand même. un jeu au sol de Léo Hamel, et oui, qui n'est pas réussi à. Très bonne question aussi sur les réseaux de David Lefebvre. Est-ce que le match peut être interrompu par l'arbitre sur un terrain synthétique? Ah, c'est une bonne question Voilà. là. Vraiment, Ah, s'il si c'est était. vraiment, si c'est impraticable, si c'est Ouais, si c'était inondé, déjà oui. impraticable. C'est à partir du moment où ça devient impraticable. Là, pour l'instant, Il n'y a pas de flaque d'eau, le ballon est pas ralenti, au contraire, il est même accéléré. Donc, le ballon, je vois. l'eau a l'air d'être absorbée à peu près. Ouais, je vois pas trop. Attention à cette frappe, ce ballon qui fuse. C'est C'était dangereux. Dodard, il me C'est semble. Non, dangereux toujours. c'était Abdelkader qu'on voit beaucoup, hein, ce gaucher d'ailleurs. Dodard et Abdelkader qui ont inversé l'offensif gauche et l'offensif droit. On va voir s'ils vont rester comme ça ou si c'est essentiellement ponctuel. Mais oui, à la limite, c'est peut-être enfin, devant la surface de Kenny, ça a l'air de briller pas mal. Mais Ouais, on n'a pas trop de. si c'est juste une question que les joueurs glissent, je ne pense pas que ça soit une raison Non, pour non, je pense interrompre pas, cette non. Non, non, rencontre. ça. Mais très très bonne question de David là sur les réseaux. Donc n'hésitez pas à réagir hein, sur nos réseaux sociaux, la chaîne YouTube, Facebook, Instagram. Et sur l'application, bien sûr, Il faut la lâcher très vite. Voilà, c'est fait. Avec un unitedmanagers.com. dédoublement qui va avoir lieu, probablement. Allez, encore Et non. Redouane qui a tenté l'intérieur. Et c'est encore Alex Diaz là, qui récupère, qui est toujours là. Ah, dommage. C'est Attention à dommage. cette contre-attaque là, parce qu'il y a plusieurs joueurs qui vont se jeter là du côté de Gonfreville avec Amouda qui est pressé avec trois joueurs. Oh Ou peut-être un là, il ballon s'en haut, sort. Il non? s'en sort bien. Il s'en sort bien. Parce que là, Alors, il y a peut-être un petit pied haut, ouais. il y avait du monde autour de lui. Attention à Dodard. En relais avec Amouda. Ils s'en sortent bien les joueurs de Gonfreville. Et tout de suite, on cherche sur les côtés avec ça dédouble Ouais, avec cette le situation-là, latéral. il la multiplie, il la répète cette situation-là.
Noro. Ça va être un peu long, là, c'est contrôlé par Juluet. C'est bien défendu, très bien défendu. Ouais, sur l'application United Managers, app.unitedmanagers.com, hein, vous pouvez avoir tous les renseignements sur les joueurs de la GECAN, les vidéos, les reportages, des news, tout ce que vous voulez savoir sur le club. Et il va y en avoir de plus en plus, hein, d'ici les semaines qui arrivent, les mois qui arrivent, notamment avec l'autorisation de retransmettre ces matchs en direct. On va pouvoir relancer les votes d'ici quelques mois. Le temps de relancer la machine du coaching collaboratif, du football collaboratif, pour pouvoir vous permettre de participer à cette belle aventure de la GECAN qui quand même en est sur deux montées en deux saisons. Il y a deux saisons, la GECAN était quand même en R2. Ouais. Régional 2. L'arbitre qui aurait pu siffler une faute, hein. On voit les mains de Juluet qui sont... Attention à Noro là avec cette frappe du gauche. Il a été gêné. Et la GECAN qui recule un petit peu, qui laisse peut-être venir cette équipe de Gonfreville justement pour mieux la contrer. Julia Le Pen qui ne voulait pas, hein, que son équipe se livre en début de match pour justement pouvoir contrer Gonfreville qui, c'est vrai, qui est l'équipe qui doit venir chercher des points. Ils sont chez eux. Et d'autant plus que maintenant ils sont menés. Donc ouais. Là, ça conforte le schéma de jeu, le schéma tactique défini par Julien Le Pen avant cette rencontre. Mais il y a aussi les conditions, hein, qui doivent être prises en considération pour s'adapter. Donc là... Ouais, monter le bloc un peu, c'est pas forcément plus dangereux que ça parce qu'on sait que les ballons vont aller très vite derrière et que de jouer long, c'est pas forcément le plus simple. Donc là, je serais tenté de dire que l'avant-garde est plutôt avantagée, hein, avec les conditions de. Conditions en de menant jeu. Au score, vous voulez dire? Ouais, non, en oui, en menant au score, et puis même vu les styles qui s'opposent, parce qu'on a quand même deux styles de jeu différents, avec une équipe de Gonfreville qui va plutôt jouer, tenter de jouer en tout cas dans le dos avec des ballons longs, et sur un terrain comme celui-ci, c'est compliqué parce qu'il faut aller vite. C'est vrai que c'est un jeu qui ressemble un peu à celui de Passy la semaine dernière. C'est ça. Et à l'inverse, on a l'avant-garde qui a un jeu de passe qui est même très intéressant, qui lui permet de se sortir de situations même dans des petits espaces, et donc même sur des terrains compliqués. Et donc pour l'instant, ça réussit donc à l'avant-garde canaise, hein, qui mène 1-0 depuis la 26e minute avec ce but d'Alex Lidias en relais avec Nico Camillo. Je ne sais pas d'ailleurs si on donnera une passe décisive à Nico Camillo, je pense. Ah, ça peut. Hein. Ouais, je pense que cette passe décisive pourrait aller à Nico Camillo. Voilà le jeu. Alex Lidias tout de suite avec Redouane Aouché. Redouane qu'on n'a pas trop vu encore. J'espère qu'on va le voir dans le reste de la rencontre. Alex Lidias. Morgan Ardouin dans le dos de Nico Suzanne, récupéré par Amouda, et tout de suite on se projette en relais avec Thiam. Pas de précipitation. Et sort pas cette balle, elle est récupérée justement par Diallo. Amouda. Ah, mauvaise anticipation là de Noro. Noro qui réalise un bon match du côté de Grand anticipation. Attention à Abdel Kader, s'il est gaucher là, c'est au deuxième poteau. Et c'est l'égalisation cette fois-ci. Eh oui, une mauvaise anticipation au départ de l'action de Léo Hamel qui est parti à l'envers. Égalisation de Bouyouk pour sa première titularisation en championnat. On vous en a parlé, hein, au début de retransmission. L'ancien du HAC qui est venu pour se relancer ici à Gonfreville. C'est Refchan Bouyouk. On le sentait venir. Hein, qui parce égalise. Il y a des mauvais positionnement là qui coûte cher. Hein. Abdelkader qui est gaucher, hein. C'est peut-être ce qui a surpris même Romain. Là, on voit Romain David qui glisse. Qui glisse. Et là, au il y a deuxième. Deux joueurs. Ah là 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 là, oui, en effet. Ouais, c'est bien joué pour Duyuk. Et oui, Romain David qui a glissé. Je pense qu'il ne s'attendait pas à ce centre du pied gauche, là, justement, avec cette permutation entre Dodar et Abdelkader. C'est peut-être ce qui a perturbé donc Romain David qui a glissé. Et au deuxième poteau. Il y avait Bouyouk pour reprendre son centre. Ouais, mais c'est des ballons qu'on perd là, à ce niveau-là, et tout de suite on se retrouve mis en danger. Voilà, un ballon qui a été perdu très haut. Ah, c'est dommage, hein, parce que là on est à la, ouais, on arrive à la mi-temps. C'est dommage d'avoir pas réussi à rejoindre le vestiaire avec cet avantage au score. Ouais, Nico Camillo qui est gêné là, il y a un client en face. Après, cette égalisation n'est pas non plus imméritée sur l'ensemble de. Non, même s'il n'y a pas vraiment eu de danger, oui. Mais il est vrai que là, on sentait que
sentait quand même là hein, qu'il y avait quelques. Allez, Morgan Ardouin, on va relancer la machine du côté de la Gécamp avec Léo Hamel qui a du mal à contrôler ce ballon. C'est la mi-temps. Et c'est la mi-temps, il n'y a pas eu d'arrêt de jeu. C'est vrai qu'il n'y a pas eu d'interruption de jeu. Et donc, Gonfreville et la Gécamp sont à un partout avant de rejoindre le vestiaire et d'aller se réchauffer avec ce but d'Alex Diaz à la 26e minute sur un relais de Nico Camillo. Et cette égalisation, il y a quelques minutes là de Bouyouk sur un centre d'Abdelkader, très bon centre d'Abdelkader. Et donc, un partout dans cette rencontre, tout reste à faire, Bruno. Tout reste à faire, en effet. C'est dommage. C'est dommage, parce qu'on avait quand même, je pense... Alors, la maîtrise, c'est peut-être un bien grand mot, mais il n'y avait pas vraiment de danger, donc une maîtrise défensive, en tout cas. Là, il a fallu vraiment une petite erreur, c'est souvent ça dans le foot, mais une petite erreur au milieu, une perte de ballon, alors qu'on était plutôt voilà, partant vers l'avant. Ça coûte cher, ça coûte cher, c'est qu'on le paye cash, là, cette petite erreur-là. Je l'avais perçu là rapidement, c'est ce geste de Léo Hamel qui part à l'envers. Et rapidement, on s'est retrouvé en danger. Bon. Allez, Julien Le Pen va trouver les mots à la mi-temps. Ils vont aller se réchauffer aussi, ça va leur faire du bien. Mais attention, attention à la reprise de cette seconde période qui va être également importante, hein, puisque Gonfreville, bien sûr, ce qui intéresse Gonfreville, c'est la victoire. Même un match nul, ça serait peut-être un mauvais résultat pour les rouges et noirs. Ce qui en soi ne serait pas un mauvais résultat pour l'avant-garde, même si on peut imaginer que bon, là, il y a quand même beaucoup d'équipes qui ont pris des points contre Gonfreville, enfin, qui ont pris des 3 points contre Gonfreville, ça ne serait pas un mauvais résultat. Ça serait le premier nul hein, de Gonfreville. Ça serait le premier nul. Ouais. Et donc on se retrouve tout de suite dans quelques minutes après des sujets, quelques reportages que vous allez voir sur la Gécamp. En tout cas, restez avec nous, il y a encore beaucoup de suspense ici au stade Maurice Baquet. À tout de suite. Allô ? Ribou, ça va ? Ouais, ça va. Ouais, je suis avec Karim et Jean-Jacques là, on voulait voir ce que tu avais exactement pour voir pour la séance de ce soir. Ouais, j'ai une grosse douleur au genou. Au quel genou c'est ? Au genou gauche là où j'ai mal, mais c'est pas le tendon là, c'est bizarre, c'est la rotule même. Ouais, Morgane. Salut Julien, ça va ? Bien et toi ? Ouais, non, ça va être chaud ce soir, on va dire. T'es encore mal là ? Là, j'ai des douleurs qui viennent de temps en temps, mais comparé à hier, c'est beaucoup mieux déjà. Hier, je pouvais pas plier le genou. On a match à 15h, arrivé sur place à 13h30. J'ai mis repas à 11h30. Si on fait des matchs de 5 minutes, ça va nous prendre 20 minutes ici. Et B, du coup, on bascule sur du 8 contre 8. L'entretien individuel que j'ai eu avec eux pour l'instant, ils sont tous vraiment très très contents des séances, etc. Je pense que c'est plus sur l'aspect psychologique là, peut-être de nos consignes, et peut-être un peu moins sur leur dos tactiquement sur les jeux. Parce que lui, psychologiquement, sinon... Donc du coup, on verra alors, en fonction du nombre, mais on part sur ça ce soir. 19h, début de la séance. Jeu ! Allez, t'es salé. Avec Jean-Jacques. Ensemble. Toujours sans casu au milieu. Top ! On enchaîne. On doit aller chercher les rouges, on peut rentrer dans la zone. Les rouges, par contre, les blancs sont inattaquables. Vous êtes en deux touches. Hein. Balle perdue, ça sort, allez, ça sort. Pour sécuriser la possession, faut techniquement être au top. Tout enchaîne. Top, hop, 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 hop. On tourne. Première séquence libre, 8 minutes. Mais ils ont tout de suite trouvé à la récupération, ils ont trouvé tout de suite la passe là. Et ça a tout de suite Parce qu'ils ont perdu beaucoup plus bas aussi les verts, le ballon. Si il se retourne pour aller. Il peut être Edouard aussitôt. Il n'y a personne. Oui, il peut me voir. Il n'y a personne qui lui sort dessus. Donc. Ouais, Julien ! T'es sérieux de marcher après ta perte de balle là ? Je ! Là, ça tombe pas ! Ah, pourquoi on le laisse tout seul au duel ? Le but des séances comme ça, c'est on passe sur du jeu à 11 parce qu'on a la vérité du terrain pour pouvoir travailler et corriger les défauts de l'équipe. L'équipe, à partir du moment où on pensera qu'on est parfait, qu'on n'a plus rien à corriger, on aura perdu. Et on perdra les matchs. À partir du moment où on acceptera de se remettre en cause, et ça passe par des corrections, ça passe par de l'amélioration, d'accord ? On pourra continuer d'évoluer, je vous ai dit, ce qui nous permettra de continuer la série et de continuer d'être au haut niveau, c'est notre rigueur,
faut communiquer, il faut se rapprocher des joueurs qui vont être potentiellement dangereux à la récupération par l'adversaire et pas comme ça en train de regarder ce qui se passe. Ah bah c'est bien, il fait un beau crochet mon copain, on en a rien à secouer de ça. Moi à ce moment-là, je suis là pour, tiens, l'attaquant il vient entre les lignes, je me rapproche de lui car en cas de perte de balle, c'est lui qui va être dangereux pour l'équipe. C'est une étape supplémentaire hein, pour passer, pour écrire une ligne supplémentaire les gars, hein. C'est important. Allez, mon Ben. Garde bien la largeur, rentre pas trop tôt Nico. Hein. Garde la largeur, par contre rentre comme ça, quand Morgan vient, tu rentres. Dès qu'on commence à aller à l'opposé, va dans la surface, finis dans la zone. Bon, à vous, monsieur. Voilà! Voilà! C'est exactement ça, les garçons! Continuez! Samy, mets-moi un peu de patience! Il faut qu'on reste sur l'idée qu'ils sont en 4-4-2. Il faut qu'on continue à trouver des tests derrière les jeux. C'est positif parce qu'il y a les occasions. Oui, positif. Beaucoup de positifs parce qu'on se crée énormément d'occasions sur le match. Donc je ne vais pas vous dire que c'est pas bien, c'est forcément bien. Le terrain n'est pas facile. On arrive à mettre le rythme et à avoir ces occasions. D'accord, on ouvre le score très rapidement. Enfin, derrière, on leur donne l'égalisation. On passe, on repart positivement. On a les occasions, on revient à 2-1. D'accord, et après, on doit faire le break. D'accord, on a 1, 2, 3, 4. 4 franches, j'en compte, sur la fin de la première mi-temps. Le ballon, faut qu'il circule encore plus vite, les gars. On l'a fait 2-3 fois derrière, on a des situations. Quand on arrive à trouver nos flèches sur les côtés, derrière, eux, ils sont morts. Ils courent vers leur but et c'est gagné pour nous. Léo, détends-moi ça, là, on parle de trop, là. On blablate. Le roi des blablateurs, toujours. Il va falloir être dans les efforts, hein, pour être dans les efforts. Oui, avancez quand même là. Voilà, avancez quand même, ça change rien. Kader, tu vas rentrer milieu gauche, d'accord? Sécurisé, hein? Sécurisé défensivement, milieu gauche. Hein, et des Romains dans son apport. Et mettez-moi le quatrième qui plie ça, les gars. Jouez, même à un de moins, jouez. C'est pas fini! Rome, allez! Nico! Messieurs, c'est rouge direct, pas deuxième jaune? J'ai pas rien, il file au but. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Il a regardé la fille. Regarde dur. Ah, je demande, hein. C'est... Au niveau des sanctions, c'est pas pareil, quoi. Ouais, sûr. C'est bon les gars. Je me présente Dimitri Milon, attaquant, 27 ans. Je suis arrivé à la GECAN cette année. Du coup, je suis arrivé au stade Malherbe en 2006. Je suis arrivé à 14 ans, j'ai fait 5 ans, 5 ans de formation. Passé par l'équipe de France, moins de 16, moins de 17. Après, j'ai fait moins de 18. Le porteur
confortable au volant, c'est que pour mettre un... Egyptian claw on my body, diamonds like 6'9", yeah. And we coming through the back, we don't go to the concierge. C'est important de garder une bonne vie de groupe et la musique aussi fait partie de notre quotidien. Et beaucoup de rap US, beaucoup de rap français, beaucoup de sons de chez moi aussi, de la Guadeloupe. Quand j'ai envie de me ressourcer, c'est important. J'aime bien quand ce soit vivant, que ça parle. J'aime pas quand c'est endormi. Du coup, toujours ramener mon petit grain de sel, une ambiance, un truc. Et toujours dans la bonne humeur, c'est important. La blessure, je me suis blessé le 26 février 2018 lors d'un match de championnat contre le SU Div. Une blessure anodine, c'est-à-dire que dégagement du gardien, je voulais aller au duel de la tête. Et là, il y a mon tendon rotulien qui a lâché. Du coup, pendant un an et demi, je suis parti à Cap-Breton, un mois, faire une bonne rééducation. Après, j'ai continué, quand je suis revenu dans la région, j'ai continué la rééducation. Bosser pour au final arriver à reprendre la compétition ce week-end. Vas-y, coach. Ouais. Ouais, grave. Bien, bon, Patiti, tranquille. Ah là 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 là, monsieur Aldro au micro, putain la gueule. Oh, ta mouche, c'est des fous. Hein. Tu vas bien. Ça m'a trotté, oui, dans l'esprit d'arrêter, mais en fait, je me suis battu une dernière fois. Même quand j'ai eu l'avis du doc Cyril Bello, il m'avait dit, Dim, je te garantis pas du tout que tu rejoues au foot. C'est même moi qui lui avais dit je vais rejouer. Je vais vous montrer que je vais rejouer. Par la détermination justement que j'avais. Là ça y est, là c'est. Ouais, là c'est officiel les gars. Ça y est, t'es officiel là ? Officiel, officiel. C'est ce week-end. Ouais. Maman, ouais voilà. Mais pas avec vous hein. Quoi ? Avec la bille. Il y a aussi les amis. Heureusement qu'ils étaient là pour me soutenir. Aussi madame et la famille. Parce que sans eux, ouais, je pense pas que. J'aurais spécialement repris aussi vite. Mon style de jeu, je suis un avant-centre pur. Après, j'aime aider l'équipe. Je ne serai pas l'attaquant technique qui va faire des gestes techniques, etc. Moi, je suis dans la surface. J'ai une occasion, je la mets au fond. Que ce soit spectaculaire ou pas, c'est pas mon problème. Que le ballon finisse au fond des filets, c'est ça qui importe. C'est le score avant tout. Comme idole, même si je ne me rapproche pas de lui, ça reste Ronaldo, R9 le vrai, le brésilien. Pour moi, il n'y a pas pur neuf que lui. Et après, si on parle en génération d'aujourd'hui, je me rapproche plus de Lukaku. Lukaku, pas très élégant techniquement, mais buteur, buteur, buteur. Directement, mon point fort, je pense que c'est mon mental. C'est même pas sur le terrain, parce que en fait, si on n'a pas de mental, au jour d'aujourd'hui, on n'y arrive pas. J'ai un seul mot, j'ai la dalle. C'est tout ce que je peux dire, j'ai la dalle. Donc, j'espère que les coéquipiers seront prêts, parce que je vais bien leur crier dessus. Les adversaires, j'espère qu'ils sont prêts aussi parce que je vais bien leur marcher dessus. Et ce n'est qu'un début.
Voilà, c'est parti pour cette rencontre entre les deux promus. Les deux promus de National 3. Donc la GECAN hein, qui veut aller titiller les leaders de ce championnat. Et Grand Quevilly qui veut remporter ses premiers points cette saison avec Mathieu Duhamel. Tout de suite, la frappe de Mathieu Duhamel. Il se met en route très très rapidement. Cette frappe, déjà, c'est déjà la deuxième frappe hein, pour Grand Quevilly. Cette frappe de Jérémy Prieur. Qualité de centre pour Nicolas Camillo et pour Léo Hamel. Et voilà, ça au ralenti. Bien joué quand même de la part de Morgan Ardouin. Tout à fait, un très bon centre. Très bon centre. Attention, attention à Nicolas Camillo là, il tente à l'intérieur. Ouais. Au deuxième pour Ben Renault, c'est bien joué. Encore une nouvelle possibilité pour le blond de la GECAN. Pour Léo Hamel en retrait. Oh, c'est sauvé sur la ligne. C'est encore sauvé deux fois. Allez, Léo Hamel. Pour Ben Renault qui a encore une chance là du pied gauche. Mais bel arrêt de Mathieu. Duhamel, le pied gauche, il a essayé de centrer. Ah, c'est ça, c'est avec Diaz qui sort. Avec Ben Renault pour Victor Guerrier. Le deuxième but, le voici d'emblée, d'entrée de jeu. Et voilà, on le dit. Magnifique hein. Action, superbe, avec, superbe. Voilà, voir cette accélération de Léo Hamel hein, pour décisif pour Ben encore Renault. Une fois, fantastique, un but magnifique. Rapidement, Mathieu Duhamel encore avec cette reprise du gauche. Et cette frappe de Max Cornel. Magnifique, elle a été touchée, elle a été touchée au départ. Avec cette frappe du gauche oh, sur le poteau. Magnifique. Tout seul, hein, il s'est créé l'action ouais. Tout seul. Hein. Oh, voilà. Magnifique. A priori, attention à priori à cette frappe, ça passe au-dessus. Ça, c'était dangereux. Une très très belle c'est occasion dangereux. Pour Grand Quevilly. Voilà, de retour ici au stade de Maurice Baquet avec une mi-temps qui s'est un petit peu prolongée. Ça se comprend quand même un peu, Bruno. C'est vrai qu'étant donné les conditions météo, les 22 acteurs, 25 avec les arbitres, n'avaient pas forcément envie de sortir tout de suite. Donc on va voir les joueurs de la GECAN qui sont en train de s'échauffer. Peut-être un changement, Bruno, ouais, dans cet effectif de la GECAN. On a cru apercevoir Alex Diaz. Le buteur. Se rendre vers le banc de touche en boitant, le buteur en effet. Et c'est dommage pour lui parce qu'il était vraiment dans la partie. Donc là, on s'attend à ce qu'il y ait un, voire deux changements en dès le retour. En tout cas, ouais. Peut-être Alex Tessier qui s'est mis en tenue là-bas pour peut-être rentrer dans cette rencontre avec bien sûr hein, le score toujours le même, un partout entre les deux formations. Alors il y a eu quelques questions hein, concernant le terrain synthétique, notamment de David Lefebvre hein, qui posait des questions, savoir si on pouvait annuler le terrain sur annuler le match sur terrain synthétique. Il y a Maxime Roinel hein, qui est suspendu et qui regarde avec attention cette rencontre. On le salue, Maxime, qui nous dit c'est un terrain synthétique dernière génération, encore différent de celui du stade Venois où évolue la GECAN.
et je pense que nos crampons ne sont pas adaptés pour ce terrain qui se rapproche d'un terrain herbe. Ouais, donc il y aura peut-être eu quelques changements de crampons là, peut-être à la mi-temps, ce qui expliquerait que. On va le voir. J'ai l'impression qu'il y a quand même un petit peu moins d'intensité dans la pluie qui continue à tomber malgré tout. Je suis pas sûr. Vous êtes optimiste. par rapport à la mi-temps, où là ça tombait vraiment. Ça empirait pendant la mi-temps. Vous voyez, voilà, il y a Alex Diaz qui est là, Alex Tessier que vous voyez à l'antenne, avec Ben Renault également. Ah, il y a deux changements donc qui vont être opérés. Ben Renault également qui va rentrer, qui était mis. Alex Tessier, il a bien fait d'aller chercher. Ah, c'est Samy qui va sortir puisque je vois Léo qui a l'air de se positionner. En défense centrale. Ah, une blessure alors peut-être. On aurait bien une voire deux blessures. Ou alors on prépare le match de Coupe de France. Ah, on va pas le dire alors si c'est ça. Moi, je sais pas. Je sais pas comme ça peut-être, non. Mais est-ce pourquoi que c'est pas je sais pas. Est-ce que c'est pas non, donc je serais plus sur une blessure que sur mais bon, on va voir. Bon, on va si voir, on demandera à Julien Le Pen également. Sachant que Saminelli est suspendu pour le match de Granville. Donc, rentrée de Ben Renault. En effet, vous l'avez vu, il va se passer sur le côté droit, gauche pardon, de l'attaque de la Gécamp. Alex Tessier qui vient dans le cœur du jeu à la place donc d'Alex Diaz. Et donc, Léo Hamel qui passe en défense centrale. Léo Hamel qui a déjà évolué en défense centrale la saison dernière. Quelques matchs, même si ce n'est pas forcément le poste qu'il préfère, mais il est prêt à dépanner bien sûr pour l'équipe. On va voir ce que ça va donner justement cette réorganisation tactique. Un premier ballon pour Nico Camillo. Oui, un premier carton. Enfin, un premier ballon et surtout un carton. Carton dans la poche là. D'entrée. Alors. Sur le latéral gauche. Il me semble que c'est. Alors c'est Diallo ou Demba. Numéro 2 ou numéro 3. C'est le numéro 3. C'est Mansour Diallo qui a pris un carton jaune, donc le numéro 3, sur cette première action de Nicolas Camillo. Alors j'espère que Alex Diaz, qui avait l'air d'être sorti sur blessure, ça va aller. J'espère que Saminelli également. J'espère que c'est pas trop grave pour ces deux joueurs. Alors, Romain David, avec son pied gauche, à la baguette. Ouais, côté gauche, hein, pour Romain, qui s'est très bien tiré ses coups francs. Allez, il faut la cadrer. Il faut la cadrer, il Romain. Il en est capable, il en est capable. Il a vraiment une belle patte. Il en est capable. Ah là là. Pas sur ce coup-là. Non, là c'est plus une transformation. Ouais, c'est pas facile quand même. Là, juste après la mi-temps, on arrive. Ouais, et puis il a l'air pétrifié. Donc, Vu de la façon dont il court, il n'est pas encore réchauffé. Hein. Et il va falloir pourtant, Romain, parce qu'avec Abdelkader, là sur le côté gauche de la défense de la Gécamp, il a un sérieux client, hein, Abdelkader qui est notamment auteur de la passe décisive sur le but de Bouyouk, sur l'égalisation de Gonfreville. Et donc l'entrée dans ce jeu, dans cette partie, est très importante. À nouveau. Attention à cet extérieur, c'est pour Kenny Renard. C'était le petit centre externe de Bouyouk, le numéro 10, l'auteur du but de l'égalisation de Gonfreville. Allez, peut-être un petit moment de flottement là, j'espère pas, du côté de la Gécamp pour cette réorganisation tactique, parce que ça doit pas être facile quand même de rentrer dans cette partie. Non, après les joueurs qui sont rentrés sont expérimentés sur la N3, donc il y a normalement pas de soucis, même si les conditions météo sont difficiles. Non, je pense plus à Léo qui se retrouve à un poste qui n'est pas un poste très habituel. Allez, et là, Ben Renault, il peut prendre la vitesse là. Une belle sortie Denis. Belle anticipation, il faut pas se retrouver en danger derrière, voilà. Tout de suite, on avait la qualité de vitesse de Ben Renault qui a marqué notamment face à Passy-sur-Eure la semaine dernière, qui est plutôt en forme, même s'il a dû s'entraîner un petit peu moins ces dernières semaines en raison de son travail. Et donc Ben Renault qui est rentré dans cette partie. Mamadou, Demba, allez Abdelkader. Voilà, Romain David tout de suite dessus. Et il n'attaque pas. Ah oui, mais c'était tout juste. Récupération pour les joueurs de la Gécamp. Romain David avec Redouane Aouché qui doit nous montrer plus de choses dans cette seconde période. Redouane qui a beaucoup de qualité technique et il faut qu'il se lâche. Ça va être le cas, ça sera le cas en deuxième. Il y a beaucoup de qualité à montrer, Redouane. Encore un bon ballon là qui va être pris. Oh, dommage pour Ben Renault. Ah oui, tout de suite, on voit encore que Ben glisse. Comme avait dit et là, on a mis de la vitesse, Max Rouanel, donc à la mi-temps. Avec l'entrée de Ben Renault, là, on a un peu plus de vitesse.
C'est vrai que tout de suite on l'a cherché puisque ça fait deux transversales la direction du numéro 12 de l'AG Caen. Et Léo Hamel justement maintenant qui est vraiment au marquage hors jeu. Là il y a 2 mètres de hors jeu sur Abdelkader. Attention à cette intervention, c'est Bouyouk qui passe au-dessus, mais c'est vrai que c'était juste devant nous. C'était juste devant nous et semblait quand même hors jeu. Même si avec les caméras, nous ne sommes pas sur la ligne exacte. Monsieur Ortiz et surtout son assistant n'avait pas levé le drapeau. Mais pas de conséquences hein, pour la suite de cette rencontre. Léo Hamel. Alors, j'espère que Léo a changé ses crampons parce que là, il ne faut pas glisser en défense centrale. Victor Guerrier qui a tenté le relais avec Redouane Aouché. C'est pas ce qu'il voulait faire. Oh là, une chute suite à une glissade. Voilà, là, sur la piste, ça peut faire très très mal. Ouais, il s'est fait. Non, ça a l'air d'aller. Il s'est fait plus de peur que de mal. Pour Demba, c'est vrai qu'on est arrivé sur les crampons. Avec les crampons sur la piste d'athlétisme, c'est toujours dangereux. Il faut vraiment se méfier. Et comme il pleut toujours autant, la piste est vraiment inondée. Même si les deux équipes nous offrent quand même un spectacle plutôt de qualité ce soir. Et Demba. On va peut-être chercher Abdelkader. Non, c'était au deuxième, là c'est pour Thiam. Abdelkader qui récupère, mais cette balle est sortie. Allez, déjà 5 minutes de jouer dans cette seconde période. C'est un bon ballon pour Victor Guerrier qui va récupérer. Allez, c'est pour la GQ. Non, je ne crois pas non plus. Il semblait que. Oui, qu'il avait touché. Que Demba l'avait retouché. Le joueur de Gonfreville. Kevin Ozu, pas eu de changement hein, par contre du côté de Gonfreville, on n'en a pas parlé. Mais c'était le même 11 de départ qui est aligné. Ouais, bien joué de la part de Ben Renault. Allez, il est frais, il va montrer de belles choses avec Alex Tessier, les deux rentrants. Victor Guerrier, on va chercher peut-être. Allez, Victor, il faut. Attention à ces pertes de balles au milieu de terrain, mais ça glisse encore. Seul. Allez, Léo Hamel, il y a du monde en défense du côté de Gonfreville, là ça va être compliqué. Léo. Il tente la transversale. Ça va fuser, c'est difficile, il faut pas que ça parte. C'était pour Nico Camillo, c'est dommage hein, parce qu'avec Victor Guerrier, il y avait une possibilité tout à l'heure là, de renverser le jeu. Ah, il va y avoir des opportunités, c'est certain. Aucune des deux équipes n'est à l'abri d'une glissade, hein, comme on l'a vu, sur une balle en retrait ou un ballon qui fuse. Donc ça pourrait très bien se décider sur ce genre de ballon. Il va falloir être extrêmement vigilant, notamment défensivement. Et offensivement, suivre vraiment tous les ballons pour pouvoir récupérer peut-être une maladresse d'un défenseur. Et face à Nico Camillo là-bas, on s'organise avec Bouyouk. C'est l'enjeu. Hors-jeu. Hors-jeu. Oui. Hors-jeu pour Wilfried Dodard. Ils sont restés dans la même composition, même au niveau tactique, puisque Wilfried Dodard qui est resté côté gauche et Abdelkader côté droit comme en fin de première période. C'est ce qui avait réussi aux joueurs de Gonfreville. Une belle prise de balle. Hein. Une belle prise de balle. C'est un peu long là pour Il anticipe bien le gardien. Attention parce que la relance peut être dangereuse. Mais c'était bien joué de la part de Nico Camillo là ce dribble. Une belle prise de balle. Cette prise de balle, ouais. En mouvement qui a créé tout de suite le décalage. On est revenu dans cette période comme en première mi-temps hein, où les deux équipes, on va dire qu'elles s'observent, mais personne ne prend vraiment l'ascendant. Vous aviez quelques résultats à la mi-temps d'ailleurs, Bruno. Oui, avec Évreux notamment. Évreux qui menait en tout cas face au Stade Malherbe 2-0. Et Vire également ouais. qui fait un début de saison intéressant également. Qui menait 1-0 à Dieppe. Même si les derniers matchs ont été plus compliqués, mais qui menait également, oui, comme à la mi-temps. 1-0 à la mi-temps. Bien sûr, tout ça va évoluer sans doute hein, d'ici la fin de la rencontre. Et Cherbourg, je crois, mais bon, on n'a pas de certitude qu'il aurait été à 0-0. Amouda. Allez, Nico Camillo. On remet dans l'axe. Allez, Nico Suzanne pour qui se bat là avec. C'est difficile, hein, les appuis sont compliqués. Hein. Là, il y a un décalage. Attention, ce décalage est à 60. Kenny Renard, non, il n'est pas sorti, il a hésité. Oh là là, très et c'était bon arrivé sur la tête d'Abdelkader, hein, encore lui,
qui est vraiment l'élément offensif le plus intéressant ce soir du côté de Gonfreville sur cette tête de Mahamadou Demba et un ballon qui lui arrive un petit peu derrière, comme on a pu le voir. Ouais, ça va se jouer sur un détail ce match, puisque on le voit là, à chaque fois, c'est vraiment une prise d'appui difficile qui crée un décalage. C'est vraiment perturbant hein, ces conditions météo là, très perturbant. Kenny Renard, long dégagement, on cherche Victor Guerrier, Alex Tessier. Ah, c'est bien joué ce ballon là pour Nico Camillo qui décale Morgan Ardouin. Ça manque de présence là, mais si, et oui, c'est belle frappe. Un ballon, j'ai cru, ouais, j'ai cru qu'elle lui avait échappé. Hein. Cette frappe de Nico Camillo qui était bien cadrée. On le voit hein, sur le ralenti. Une relance compliquée et une frappe instantanée. Et le gardien qui difficilement parvient à dégager le ballon. Ah, il avait anticipé Nia, c'est peut-être un limite un petit peu trop là. Sur le gardien. Ouais. Mais il avait bien repoussé cette frappe. C'est la première frappe cadrée de cette deuxième période et la deuxième frappe cadrée après le but de la part de Nicolas Camillo hein, qui a parfaitement pris sa chance. Le corner au deuxième poteau, cette frappe de Julué, ça passe juste derrière le but. Ah, il était seul au deuxième poteau, il a été laissé par les défenseurs. Quelle occasion. Ah oui, là il y a vraiment au niveau du marquage là, alors qui était voit, plutôt hein, large hein, du poteau du côté de Gonfreville. Il est seul au deuxième poteau et il rate. Il tente en tout cas une reprise de volée en ciseaux, mais c'est un geste compliqué. Et un ballon qui passe derrière le but. Voilà, deux occasions pour la GECAN quand on aime bien cette seconde période. Mais attention, on l'a vu, hein, Gonfreville avec Abdelkader, notamment sur cette tête, se montre également dangereux. Il y a de la qualité offensivement. Ah, il y a une faute là, qui n'est pas signalée. Ouais. Ah, il y a une faute. C'est vrai qu'il y avait quelque chose. Alex Tess, elle a qui chance, Nico Camillo, et Ignace qui sort énormément loin de ses buts, hein, mais c'est bien joué de la part du capitaine de Gonfreville. Attention les appuis. Toujours pareil, attention Alex Tessier. Parce que là on voit que c'est compliqué. Demba. Perce pied. Kevin Ozu. On a contourné complètement le terrain là, c'est Diallo là qui prend le dessus. Ah oui, puis qui Diallo qui perce, il faut l'arrêter là, attention dans la surface à l'entrée de la surface de réparation, ah, Léo Hamel. Attention, c'est ballon dans le dos. Allez, pour Ben Renault qui va être gêné là. Hein. Avec Abdelkader, hein, il est rapide. Bonne défense hein, du joueur offensif de Gonfreville. Léo Hamel. Tranquillement. Match, on voit fait. Que c'est un match équilibré, hein, ça va pas jouer à grand chose cette rencontre. Ah, c'est celui qui va éviter de commettre l'erreur. À mon avis. Allez, Kenny Renard, peut-être. Non, il recule. Attention, Abdelkader qui prend le dessus sur Romain David avec ce centre pour Thiam. C'est un peu long. Et Julué qui récupère. Oh, cette balle qui avait été un poil mal ajustée hein, de la part d'Abdelkader. Thiam aurait presque pu la reprendre, mais c'est un ballon qui a fusé quand allez, même. Redouane, allez, il faut s'imposer. Ah, un bon décalage là. Non, allez, faut... Nico Suzanne. Allez, c'est pas perdu ça. Avec Victor Guerrier, il y a du monde décalage. À gauche, Victor. Il y a Ben Renault là, ça arrive sur son pied droit. Il a hésité, il va-t-il frapper? Il le frappe, repoussé oh, par Nias. Quel bel arrêt. Là, vraiment un enchaînement de toute qualité. Ah, on passe d'un but à l'autre là, en ce moment là, avec Ben Renault qui prend le temps de contrôler. Plat du pied et belle anticipation de Nias, bel arrêt. Très bel arrêt. Et un nouveau corner. Et bah, David Lefebvre hein, qui disait je ne sens pas leur gardien. Bon, bah, pour l'instant, ouais, pour l'instant, il n'y a pas grand chose à dire. C'était il y a quelques minutes. Là, il s'en est bien sorti, Agnès, même si c'est vrai qu'il anticipe beaucoup. Hein. Il faudra qu'il fasse attention. Romain David pour la tête, là, c'est dans le cafouillage de la surface de réparation. Penalty. Non, il n'a pas sifflé. Ah, non, je pensais non, qu'il non. avait. Oh là là. Et c'est Morgan Ardouin. Hein. On regarde, on voit ça au ralenti avec ce cafouillage. Il y a eu quelque chose. C'est Morgan Ardouin qui hésite. Ah, il y a une ah, petite poussette gêné, de Bouillouc, oui, voilà, mais c'est pas non plus. C'est pas flagrant. À vitesse réelle, je voyais ça plus flagrant quand même. Et quelle occasion là pour Morgan Ardouin et pour la GECAN. Ça va dans tous les sens là. Est-ce qu'il y a de la qualité hein. Il y a de la qualité des deux côtés. Donc, Et il pleut un petit peu moins. Alors je sais pas si c'est ça, mais bon. C'est vrai que Riril 28 hein, disait que c'est quand même embêtant là, de se faire égaliser juste avant la mi-temps, d'autant que les joueurs de Julien Le Pen avaient la maîtrise du jeu. Encore un bon centre. Et là, allez, Nico Camillo.
Ah, il est un petit peu isolé là. Ah, il récupère quand même, il y va. Il est passé. Il est passé, Nico, on connaît sa vitesse de course. Carton à nouveau, un carton, et malheureusement. Kevin Ozu. C'est le premier, hein, d'accord. Kevin Ozu, numéro 5. Et attention. Carton jaune. C'est le troisième hein, pour Gonfreville. Sur. Ah non, c'est le numéro 7 d'ailleurs. Il ne s'agit pas de Kevin Ozu, il s'agit de Wilfried Dodard, pardon. Wilfried Dodard, numéro 7, qui a le carton jaune. On va dire que c'est un tacle d'attaquant. C'est pour ça. Victor Guerrier qui a un petit peu d'espace là pour trouver Ben Renault. Il n'est pas en jeu. Il rentre dans la surface de réparation. Et bonne intervention. Corner. Ah mais non, c'est pas corner. Hein. Bon, 6 mètres. Bon, ouais. Étonnant. Bonne intervention de Demba. Qui a réussi à revenir sur Ben Renault, ce qui n'était pas évident pour lui. Et qui s'est brûlé un petit peu le coude. Et bonne intervention de Demba. Alors, ça va peut-être pas en rester là quand même ce match. Hein. On voit beaucoup d'actions. Alors que le Stade Malherbe a pris l'avantage face à Évreux. 3-2. Quel renversement de situation. Ouais. De 0-2 à 3-2, là, c'est. Et bon, c'est une équipe, une réserve pro avec un gros effectif, donc c'est sûr que. Il y a des possibilités. Évreux qui est la dernière. Équipe invaincue. Ouais. La dernière équipe invaincue de ce championnat. Et puis qui n'avait pas l'habitude de prendre autant de buts. Donc là. Tant dire que ça ferait du Stade Malherbe un sérieux prétendant à l'accession aussi. Stade Malherbe qui est troisième, hein, c'est qui ça. Est troisième, hein. Mais ouais. Qui n'était qu'à un point. Qui était à un point, et donc qui passerait devant Évreux. Et si Charbot en restait là également avec son match nul, eh bien le Stade Malherbe prendrait la tête de National 3. Ah, beaucoup de tête, difficile, parce qu'il était loin. Et l'intervention de Kenny Renard. Une belle entrée en tout cas d'Alex Tessier et de Benjamin Renault dans cette partie. Mais on l'a vu, il faut être vigilant, extrêmement vigilant en défense. Allez, Morgan Ardouin, pris dans l'étau, pris dans la nasse. Avec Wilfried Dodard, notamment. Mais c'est vrai que Gonfreville montre de belles choses ce soir. Voilà, tactiquement cohérent. Oui, ça a du sens. Dans un style, on l'a dit déjà, quand même assez différent au-dessus de l'avant-garde. Mais qui est efficace quand même, avec des joueurs percutants, athlétiques. En relais, et là, on le voit encore une fois. Attention à Diallo, Demba qui frappe au-dessus. Et il crée des décalages et en effet, leurs deux latéraux sont vraiment les deux joueurs très intéressants. Qui nous mettent en difficulté assez fréquemment. Attention à cette passe en retrait compliquée. Eh oui, mais il ne faut pas se mettre en danger. Faut pas se mettre en danger comme très ça. C'est difficile, cette balle en retrait. Et on a senti un petit peu d'agacement de la part de Kenny, là, qui est obligé de faire un contrôle compliqué. Ah oui, on n'a pas le droit à l'erreur sur ce genre de terrain. Il ne faut pas donner les occasions à l'adversaire de revenir dans la partie. Enfin, de revenir, ils y sont dans la partie. En tout cas, de prendre l'ascendant. Surtout pas. Perce pied. Perspier qui fait une montée là pour Demba qui a fait un bon centre au premier poteau, au deuxième il y avait Dodard et c'est finalement Morgan Ardouin. Les occasions se multiplient, attention. Ah, cette balle qui arrive juste derrière Wilfried Dodard, là, ce centre de Demba. Et c'est toujours pareil, hein, voilà, c'est encore le latéral droit, hein, Demba là, qui est vraiment omniprésent sur cette. Il a été trop rapide en fait Dodard. Il est arrivé avant le ballon, il a été surpris par ce ballon qui fusait, mais grosse alerte hein, sur le but de Kenny Renard. Ah, c'est bien joué. Victor Guerrier, c'est bien joué, c'est pour Nico Camillo, il peut y aller avec sa vitesse. Nico Camillo, il est passé, non. Il a oublié le ballon. Il a été pris par Kevin, ouais, par Kevin Ozu. Kevin Ozu qui est parfaitement revenu. Attention, parce que là, il y a encore un décalage, eh oui. Allez, attention avec Léo Hamel face à Thiam. Sans faute, voilà. Il ne peut rien faire. Avec ce centre, il est beau. Ouais, c'est sur la barre transversale, là, il faut sauver ce ballon de la part de Romain David. Mais Gonfreville qui montre de belles choses là en ce moment et qui prend le dessus sur la Gécamp. Et c'est pas fini avec Kevin Ozu qui trouve Demba. C'est bien défendu de la part de Romain David, c'est très bien défendu. Deux grosses alertes. Une action sérieuse. Hein. On a dit, attention, on perd des ballons trop facilement et on se remet tout de suite en danger. Puis
Et puis eux, ben, ils jouent évidemment leur va tout et ils le font très très bien. Avec ce tir sur la barre de Gonfreville. Et voilà, avec un jeu sur les côtés, hein, vraiment efficace. On les voit encore un dédoublement. Et ça dédouble avec Diallo et ce centre encore dégagé par Romain David. Là, Gécamp qui est dans une mauvaise passe. Hein. Et il va falloir retrouver les fondamentaux là pour les joueurs de l'AG et resserrer les lignes. Ouais, les occasions se multiplient là, hein. c'est pas bon signe. Ouais, l'AG Caen qui s'en sort bien quand même, ce qui a fait réagir Julien Le Pen là sur le banc. Pour l'instant, je regarde, il n'y a pas de joueur qui s'échauffe hein, du côté de l'AG Caen. Il me semblait qu'il y avait... Non, il n'y a peut-être plus l'échauffement. Il reste qui sur le banc? Il y a Dimitri Milon, un attaquant qui peut rentrer. Il y a également Anthony Simon. Et Papa Mbaye, bien sûr, le gardien, cinquième remplaçant de l'équipe. Mais là, depuis 10 minutes, hein, c'est Gonfreville qui a vraiment pris l'ascendant, là, en tout cas offensivement. Avec notamment ces dédoublements des latéraux sur les côtés et des centres efficaces qui ont mis à mal. C'est le vrai danger. Ce sont les deux latéraux là, qui posent vraiment problème. Et c'est Bouyouk hein, qui se relève là. On sent vraiment là le travail hein, sur ces dédoublements. C'est une patte, hein. Ça c'est vraiment un signe d'une volonté de privilégier cette stratégie-là. Et c'est efficace, enfin efficace, pas suffisamment efficace parce que ça ne se traduit pas par un but, mais c'est déjà très efficace parce qu'ils arrivent à se créer de nombreuses occasions. Et donc à force de multiplier les occasions, on sait ce qui peut advenir. Mais il y a aussi le risque pour Gonfreville de prendre vraiment confiance et de s'exposer, puisque des espaces peuvent se créer, hein, même s'il reste à 3 derrière. Et on l'a vu avec Nico Camillo et Ben Renault, ça peut aller vite aussi également, bien sûr, du côté de l'AG Caen en contre. Et pour l'instant, il faut essayer de reprendre ce ballon là que Gonfreville monopolise depuis quelques minutes. Léo Hamel, intervention, voilà, encore un joueur de Gonfreville qui reprend là avec Nouro. Voilà, les décalages. Il faut vite aller vers l'avant. Allez, Redouane, du premier coup. Ah, et puis c'est un mauvais ballon là. Ah, Redouane, il faut. Il a du mal, hein, Redouane, ce oui. soir. Eh oui, soit on la joue en première intention, mais surtout pas derrière, essayer de trouver, enfin en tout cas de la mettre là où il l'a mise. C'est tout l'inverse de ce qu'il faut faire. Alors, je pense qu'il y aura un changement là du côté de Gonfreville, puisqu'on a appelé un remplaçant qui était en train de s'échauffer hein, derrière le but. Il y a notamment des possibilités offensives. Voilà, c'est reparti sur le côté. Du côté de Gonfreville. C'est bien anticipé par Morgan Ardoin. Et encore une faute ici. Ouais. Une faute de Diallo sur Nico Camillo. Ouais, c'est intéressant parce qu'on a quand même deux côtés nous, qui sont aussi véloces, rapides. Et pour autant... On les met pas moins en vue. Ouais. Voilà. Oh, Redouane, c'est passé pour Ben Renault qui se présente. Et c'est le but de Ben Renault. Il est validé. L'arbitre a laissé jouer l'avantage et voyez en contre très rapidement. Là, très bien joué. Ben Renault qui est rentré en seconde période et qui, comme la semaine dernière, hein, permet à l'AG Caen de prendre l'avantage dans cette rencontre. Et de belle manière, hein, puisque là, il n'a même pas contrôlé le ballon, il l'a mis en une touche. Alors qu'il y avait une charge hein, sur Redouane Aouché juste avant, et Monsieur Ortiz a laissé jouer. Eh bien, ça a profité à Ben Renault, là, qui a trompé Agnès. Et on le voit, il ne prend même pas le temps de contrôler le ballon. Il a juste le gardien, c'est vraiment, vraiment techniquement très bien fait. Parce que Agnès avait plongé du bon côté, ça n'a pas empêché donc Ben Renault d'inscrire et de permettre à l'AG Caen de prendre l'avantage à la 68e minute. Oui, il suffisait de dire que nos ailiers, nos oui, absolument, étaient moins en vue aujourd'hui, enfin moins en vue entre guillemets, mais surtout avaient face à eux deux adversaires de très grande qualité et pour que dans l'action qui suit, ça se termine au fond des filets en faveur de l'avant-garde. Vraiment un avantage. Alors que Gonfreville restait sur deux très très grosses occasions. Et l'AG Caen a su se montrer efficace, là, véritablement, sur contre, alors que nous étions dans un temps fort de Gonfreville. Il va falloir serrer les rangs maintenant, bien sûr.
avec Julius et pas de prise de risque de Jules. Il ne s'embarrasse pas et ça va. Dans des conditions toujours aussi difficiles avec autant de pluie. Un joueur de Gonfreville là, qui se retrouve à terre. Peut-être une réprimande. Et là, Gécamp qui reprend l'avantage dans cette partie. 2-1. Après une barre transversale de Gonfreville. Ouais, il ne faut pas l'oublier hein, quand même. Hein. Gonfreville qui s'est montré très très dangereux à plusieurs reprises et qui n'a pas réussi à concrétiser. Et malheureusement pour cette équipe qui est intéressante, malheureusement. Et heureusement pour nous, c'est un but de Ben Renault qui donne un petit peu d'oxygène. Et Seken hein, sur nos réseaux sociaux confirme votre impression, hein, Seken qui trouve cette équipe de Gonfreville plus cohérente hein, que Passy ou encore Grand-Quevilly, même si Grand-Quevilly, depuis qu'on les a rencontrés, ont pris du poil de la bête, donc c'est peut-être plus la même équipe. Mais c'est vrai que c'est une équipe cohérente. On voit, il y a un vrai plan de jeu, voilà, un vrai bloc. Et sachant qu'ils ont quelques absents, hein, comme Steve Mendy notamment, leur meilleur buteur de la saison dernière avec 14 buts, qui est absent, suspendu. Nous aussi également, nous avons un suspendu avec Max Roinel. Allez, Victor Guerrier. Ouais, toujours, toujours combatif là avec très combatif, Percepied. Toujours beaucoup d'efforts. Amouda. Vraiment important dans le dispositif hein, de Julien Le Pen. Allez, 20 minutes pour aller chercher cette victoire, alors que a priori Cherbourg mène 1-0 hein, contre QRM. Oui, c'est ça, contre la réserve de QRM. Une victoire, on n'en est pas là, hein, ça m'embête toujours de parler de victoire à 3 points, etc. Mais ça permettrait de se rapprocher encore hein, du haut de tableau et surtout de prendre ses distances encore avec Gonfreville. Oui, puis de se rapprocher, c'est pour moi l'essentiel en ce début de saison. C'est l'objectif initial, le maintien et un maintien solide. Donc plus vite il sera atteint et mieux ça sera pour que les joueurs puissent évoluer dans des conditions favorables. C'est vrai que là, il y aurait 14 points d'écart avec Gonfreville notamment, qui est avant-dernier. Donc ça commencerait vraiment à. Et puis 17 points au compteur. Oui, c'est ça, hein, 17 points au compteur. 17 points. Avec un match à jouer, mais bon, un match en retard qui ne sont jamais gagnés de toute façon. Donc, avec un match en retard, notamment sur Évreux, sur la réserve du Stade Malherbe et sur Cherbourg, qui sont les trois équipes qui devancent la Gécamp. Oh, c'est bien joué là-bas, Nico Suzanne. Qui force l'adversaire à provoquer une touche. Très bien joué. Ouais, toujours un cœur énorme. Et oui, vraiment, et puis on ne l'attend pas forcément dribbleur, mais on s'aperçoit quand même que c'est un sacré dribbleur. Très grande qualité technique, c'est vraiment un joueur dont on ne parle pas souvent, mais qui est pourtant omniprésent. Ouais, on remarque souvent sa couverture de terrain. Hein, ça va être l'un des joueurs qui court le plus sur le terrain. Non, sur les tests, c'est celui qui est le plus impressionnant, en tout cas. Eh oui, trop de temps pris, et là, c'est sanctionné. Dans les courses de fond. Allez, Kevin Ozu. Faut pas trop reculer. Alors, faut continuer à jouer. Il va y avoir d'autres occasions dans cette partie. Kevin Ozu, qui cherche long. Un ballon qui est récupéré, qui aurait pu être récupéré. Allez, Redouane Aouché qui se bat pour récupérer. Il faut faire l'effort. Ah là là, attention au décalage. Dodard. C'est bien défendu. Ouais, c'est bien défendu de la part de Morgan Ardouin. Attention. Et hors-jeu. Il n'a pas été signalé. Et pour moi, Nico Camillo revenait de hors-jeu. Ah ouais. Il a du mal, Redouane, à s'imposer quand même. Ah, il cherchait un petit peu la faute, là, Redouane. Ouais, je pense qu'il est en train de discuter justement avec. Avec Julien Le Pen qui lui dit va de l'avant. Oui, mais sa qualité technique elle ne parvient pas à s'imposer. Et pourtant, il montre de très très belles choses à l'entraînement. Peut-être un petit manque de confiance pour Redouane, mais ça va venir. Allez, Nico Camillo. C'est bien joué. Ça va revenir. Ils prennent leur temps, hein. Ils se précipitent pas. Hein. Ah, il n'y a pas de panique, non. Oh, l'équipe a. On regarde, est descendu d'un cran quand même. On voit bien que le bloc est positionné quand même assez bas. Les latéraux sont quand même très très hauts là du côté de Gonfreville également. Ouais, c'est vraiment, là on voit bien le style. Et puis on va aller chercher rapidement. Mais là, attention, interception. Ouais. Romain David qui remet dans le paquet. Ouais, là, c'est donné pour Amouda. Attention avec Thiam alors qu'il y avait une faute. Monsieur l'arbitre laisse jouer.
avec ce centre hein, pour, oui. Pour Kenny Renard qui ne s'impose pas. C'est Jules Hue et finalement qui dégage ce ballon. Athlétiquement, c'est. Allez, Redouane, il faut la prendre. Ah, il est en train de baisser les bras là. Il faut pas, ça va venir. Alors que... ça joue au mental maintenant. Allez, Redouane, il faut s'accrocher. Qui est-ce qui est parti s'échauffer? Anthony Simon est parti s'échauffer là-bas, du côté de la Gécamp, derrière le but. Anthony qui fera peut-être sa rentrée. On peut envisager voilà, une montée de Morgan Ardouin au milieu de terrain, par exemple. Un quatrième but pour Caen. Donc Évreux, là, est en train de sombrer. Sombrer sur ce. Sur cette deuxième mi-temps. Il reste Anthony Simon. Anthony Simon qui peut jouer latéral droit. Et on peut envisager éventuellement que Morgan Ardouin monte au milieu de terrain comme il l'avait fait face à Fécamp. Ah, je ne sais pas si c'est le choix qui va être fait. Peut-être qu'il va sortir Redouane. Et... changement en tout cas. Là, du côté de Gonfreville également, peut-être. On retire les chasubles. Allez, Morgan Ardouin. C'est bien joué encore. Là, il a feinté le. Eh, une faute là encore là sur l'arbitre. Et oui, il faut la signaler la faute, oui. Et oui. Allez, Nico Camillo qui fait le pressing là pour repousser les assauts de Gonfreville. Alex Tess qui se bat également. Amouda. Récupération pour Victor Guerrier. Eh oui, si, c'est fait. Ouais, petite c'est... faute là de. Je ne sais pas si c'est de Redouane ou de Victor, mais en tout cas, ça repart très vite du côté de Gonfreville avec ce long ballon. C'est pour Léo Hamel. Non, il est pris là, c'est Thiam. Avec cette récupération de Ben Renault qui est un petit peu seul là. Ben, et il de quoi hein. Il a sa vitesse. Il va prendre le dessus. Ah, il ne parvient pas. Ah, il perd le contrôle de la balle. C'est dommage. Mais ça fait reculer l'adversaire quand même. Allez, il y a un quart d'heure à tenir dans cette partie. Et maintenant, le ballon qui est essentiellement dans les pieds de Gonfreville. On voit vraiment que la Gécamp va jouer en contre. D'ailleurs, on voit que Redouane Aouché hein, joue et reste aux avant-postes maintenant. Allez, Jules, fort, voilà, au sol. Alex Tessier pour Victor Guerrier. C'est bien joué, ça, c'était pas facile ce ballon pour Victor. Ben Renault encore avec Victor Guerrier en relais pour Ben Renault. C'est parti. Il a un petit peu d'espace. Hein. Il y a notamment Redouane Aouché dans l'axe. Et il l'a cherché. C'est contré, c'est en corner. Ça a failli finir au fond des filets. Est-ce que le gardien avait anticipé encore? Très bon travail là, de Victor Guerrier sur deux ballons pas évidents. Sur deux ballons pas évidents de la part de Victor. Et il a su trouver Ben Renault. Et c'est Morgan Ardouin qui va aller tirer ce corner en l'absence de Max Roinel, notamment Max Roinel qui devrait faire son retour, on le disait, après le match de Coupe de France face à Granville, et ça sera donc contre Dieppe, il me semble, à domicile. C'est ça. Morgan Ardouin, c'est pour Nias qui hésite là, avec Léo Hamel qui n'a pas pu reprendre. Ouh là, encore une action dangereuse. C'est pas encore sorti, c'est pas fini pour Redouane Aouché, il dévisse un peu. Oui, aïe. Il dévisse un peu touché. Et beaucoup. Même. Non, elle n'est pas touchée. Non, petite hésitation là de Nias dans la surface de réparation. On va le revoir sur le ralenti. Oh là là, un dégagement raté. Et c'est Léo qui n'arrive pas à la reprendre. Là. Ah, il est un peu... un petit peu court. Changement du côté de Gonfreville avec la sortie de Bouillou. Du buteur. C'était sa première titularisation. Et qui a marqué... un but donc dans cette partie et l'entrée, je n'ai pas vu qui était rentré. C'est le numéro 14, donc Ibrahim Doro qui est rentré au milieu de terrain. Et un ballon long encore sur le côté, il faut les anticiper celles-ci parce qu'ils le font systématiquement. Donc il y a un travail hein, de la part de... Il est passé. Oui, il est vraiment intéressant ce joueur. Hein. Attention pour Thiam, attention à Romain David également. C'est Thiam qui avait bien failli reprendre ce ballon. Maintenant l'autre latéral qui est aussi un... C'est Demba. Demba qui a la possibilité de centrer, voilà, qui va remettre dans la surface de réparation et c'est récupéré par l'entrant, par Doro. Et qui va en voie derrière. Hein. Maintenant, c'est quasiment du 1 contre 1 pour Victor Guerrier. Il y a des possibilités de contre. Hein. Ouais. C'est sûr, le 1 contre 1. Mais Nias, évidemment, qui va intercepter. Et Gonfreville, là, qui joue son va-tout à 12 minutes de normal, la fin. Hein. C'est normal, il va y avoir un peu de pression. Tout, c'est de résister à cette pression-là et puis de planter la banderie au moment opportun. Mais on le voit à chaque fois hein, sur les côtés.
est bien défendu par Morgan Ardouin, mais qui ne peut pas éviter la touche. Ah ouais, il faut que Gonfreville aille chercher des points quand même, parce que Gonfreville qui est 13e avec 3 points et Alençon est devant, mais 3 points d'avance avec 6 points quand même. Et puis Vire est à 7 points et Vire qui faisait plutôt un bon résultat tout à l'heure. Discussion là entre Léo Hamel et Monsieur Ortiz. Peut-être que Monsieur Léo Hamel a un peu parlé. Non, demande à quelqu'un de se calmer, hein, des joueurs de la GECAN de se calmer. Ouais, il y a peut-être eu quelques, quelques mots, revendications. Ouais, sur le terrain. Ouais. Julien Le Pen, hein, donne ses consignes, ouais, toujours. Ça serait dommage de perdre le contrôle, hein, sur cette partie. Et attention, attention à ce corner. Il y en a eu peu de corner, hein, pour Gonfreville. Il me semble que c'est le, ah, un changement le est premier demandé, de Gonfreville dans et cette c'est seconde période. Redouane Aouché qui va sortir. On le pressentait un peu quand même. Hein. C'est vrai que la deuxième mi-temps de Redouane est compliquée. Et puis, il faut aussi essayer de préserver cet avantage. Donc, on voit bien, hein, comme... Anthony Simon qui va sûrement passer donc à droite, à la place de Morgan Ardouin. Morgan Ardouin qui va se retrouver au milieu de terrain. Un poste où il a évolué la saison dernière, notamment avec Alençon toute la saison. Je ne suis pas certain qu'il le fasse rentrer au milieu de terrain, à mon avis. On va voir comment l'organisation. Non, Anthony, il va être latéral droit, mais oui, je pense qu'il va mettre Morgan en milieu de terrain. On va voir. Attention à ce corner, il est joué court. C'est joué à deux, et on n'a pas anticipé, mais c'est défendu. Dégagement d'Anthony Simon, justement. Et là, attention, contre-attaque avec Ben Renault, et ses bonnes couvertures là, de Et il va aller mieux. Et il va aller mieux, parce que ça allait vite. Bonne couverture de Kevin Ozou. Alors, comment vont-ils se positionner ? Anthony Simon, ouais, elle est semée à droite, et en effet, Morgan Ardouin va monter d'un cran. Allez, Ben Renault qui est passé à droite maintenant. Ils ont inversé avec Nico Camillo. Allez, 10 minutes à tenir. 10 minutes à tenir dans cette rencontre. Alors, Riril 28, hein, sur nos réseaux sociaux. Surtout, ne pas reculer et continuer à jouer et aller faire courir après le ballon pour ne pas se mettre sous pression. Oui, si ce n'est qu'on ne les a pas quand même pas fait beaucoup courir après le ballon aujourd'hui. Ça, c'est... Ouais, je pense qu'en possession, en termes de possession, c'est Gonfreville qui avait la possession de balle dans cette rencontre. Là-dessus. Surtout, notamment en deuxième période. Ils n'ont pas énormément couru après le ballon. On a été efficace sur les quelques actions qu'on a pu avoir, mais ils nous ont vraiment posé des difficultés, notamment, et on le répète, à l'envi avec les latéraux. Attention, Romain, deux latéraux qui sont vraiment très très efficaces. Ouais. Demba et Diallo, numéro 2, numéro 3. Ouais. Attention à cette faute là de Léo Hamel. C'est Nico Camillo, je pense qu'il vient faire une faute. Et ça, c'est la problématique. Sur Mouadi Tioubou. Des attaquants qui viennent défendre. Mouadi Tioubou, numéro 15, qui est rentré. Je ne l'avais pas vu rentrer d'ailleurs. J'ai loupé ce remplacement. Ouais, l'arbitre de touche qui était bien placé n'a pas mis beaucoup de temps à lever son drapeau. Attention, parce que là, un coup de pied arrêté, toujours dangereux. 81e minute. Tiré par un gaucher, ça va rentrer. Ça va être devant la cage de Kenny Renard. C'est tiré par. Par Mansour Diallo. Allez, il faut être vigilant, il faut être présent, remporter ce duel. Allez, monsieur l'arbitre qui place le mur là entre Nico Camillo et Ben Renault. Kenny Renard sur sa ligne. Hein. Il y a des discussions, hein, avec l'arbitre, on a du mal à. Ouais, je sais pas. Je sais pas à se placer. Ça serait dommage quand même d'être averti sur une telle situation. Il suffit de reculer d'un pas. Voilà, n'allez pas chercher. Je comprends pas trop la discussion, mais bon, il y a peut-être des mots là qui sont oui, dits. Oui, il devrait pas. Là, ouais. C'est une situation où il faut rester concentré, rester dans attention, le jeu. Diallo. C'est bien tiré. Dans la surface de réparation. Ouh, et ça passe à côté. Ouais, c'est un 6 mètres, hein, donc c'est un joueur de Gonfreville. J'ai pas vu. Peut-être Dodard qui l'avait reprise. Vraiment un coup de pied intéressant. Hein. Peut-être Dodard. Et oui, qui arrive lancé, mais oui. Qui n'arrive pas. Oh là là là, qui n'arrive pas à la. À l'orienter vers le but. Quelle occasion pour il était un peu excentré quand même. Ouais, mais elle doit vraiment pas passer loin celle-ci. Non. Mais elle est difficile à rabattre parce que elle fuyait. Jusqu'au bout, hein. Jusqu'au bout, ils vont se montrer dangereux. Et attention, encore une nouvelle attaque. Allez, Léo Hamel, pas de risque pour le pied gauche du Kenny Renard. C'était pas évident pour lui.
Allez, il faut essayer de poser ce ballon quand même, pas le perdre tout de suite. Là, il y a des décalages encore. Allez, c'est du 3 contre 2 quasiment, même si Demba revient. Et pour Victor Guerrier, il faut conclure, Victor. Il faut conclure, c'est sur le poteau, ça rentre. Et c'est le but. Et le voilà, le troisième but, le but du break. Victor Guerrier. Victor Guerrier d'une magnifique pichenette. Qui inscrit ce troisième but, on le revoit. Superbe. Avec cette balle de Ben Renault là dans le dos, parfaitement donné dans le bon timing. Victor Guerrier qui fait la petite pichenette, Nias qui se couche. Ah, on a cru que c'était sur le poteau et finalement ça rentre. Et là Gécamp donc qui fait le break 3-1 à la 84e minute. Un réalisme froid. Oui, parce qu'on sortait encore d'une grosse occasion de Gonfreville. Là et, c'est monstrueux. Là, Gécamp a vraiment grosse réussite. Ah, là, une efficacité qui est terrible. Terrible pour l'adversaire parce que dans les faits... C'est très dur pour Gonfreville. Et a priori, c'est à l'image de leur saison. C'est qu'ils sont dangereux, mais ils ne parviennent pas à concrétiser. Et finalement, ils s'exposent parce que défensivement, il y a quand même des failles. Voilà, c'est ça le terme. Il est bien choisi. Ce sont des failles, de grosses failles, on le voit. Il y a des décalages importants défensivement et on en profite quasiment à chaque action. Et c'est vrai que les montées des latéraux, c'est important, mais bon, après, ils allaient vraiment chercher le but de l'égalisation. C'est sûr qu'ils ont pris des risques, mais c'est vrai, comme vous le disiez, Bruno, hein, c'est le retour qu'avait eu Julien Le Pen sur cette équipe qui, offensivement, est vraiment capable d'attaquer à 5-6 joueurs, mais qui se découvre, et évidemment, défensivement. Et donc ça peut aller très vite d'un côté comme de l'autre. Et comme quand vous n'êtes pas en réussite, hein, comme c'est le cas ce soir de Gonfreville, eh bien, derrière vous pouvez être puni. Mais les joueurs de Gonfreville là pourront être déçus. Hein, mais même si ce n'est pas fini, il faut ça tenir va très maintenant. Très vite là, sur le côté là. Allez, Julué, c'est contré. Il me semble que c'était le ballon, mais bon. Là, intervention de Monsieur l'arbitre qui arrête. C'était sur Ibrahim Doro. Oui, qui a l'air de s'être fait mal. Ouais. Je ne sais pas s'il y a eu contact, mais... En tout cas, c'était, il me semble, en dehors de la surface de réparation. Mais ce qu'on espère surtout, c'est que Ibrahim Doro se relève sans mal. Ça a l'air de... Ah, il a... Ah, c'est le joueur qui vient de rentrer, ça. Hein. Oui, c'est, ça, ouais, c'est le numéro 14. Il a l'air d'avoir mal, quand même. Hein. Il a baissé la chaussette. Ça va être un entre-deux, hein, parce que monsieur l'arbitre avait décidé d'interrompre l'action. C'est reparti. Ouais, peut-être un... Plutôt bon arbitrage d'ailleurs, monsieur Ortiz. Tout à fait, il a laissé jouer les avantages absolument. Quand il le fallait. Mmh. Vraiment, il n'a pas sifflé de façon précipitée, ce qui permet de laisser le jeu se dérouler. On l'a vu, Victor, on n'en a pas parlé. Oh, la faute, une méchante faute. Là. Grosse Attention. Faute d'Anthony. Ça va être le jaune. Ça va être le carton jaune pour Anthony Simon. Oui, ça serait logique. C'est sa première, mais ça serait logique, je pense. Ouais, parce que ça, c'est par derrière. Oui, il arrive lancé, l'adversaire ne peut pas se défendre. Mais on ne parle pas suffisamment de Victor Guerrier qui fait énormément d'efforts. C'est encore une fois un coureur infatigable qui est là, présent là, sur cette dernière action. Et ça fait vraiment plaisir de le voir marquer. C'est son troisième but en championnat, Victor. Ouais, c'est très bien, il le mérite. Il a beaucoup travaillé pour pouvoir performer à ce niveau-là. Hein, il faut quand même se souvenir que Victor a été à de nombreuses reprises opéré. Trois opérations au genou, il me semble. Ouais. Et malgré tout, il est là, présent en National 3, après avoir été là présent en R2, présent en R1, et le voilà encore présent en N3. C'est incroyable. Quel mental. Et c'est vrai, le niveau augmente et Victor également hausse son niveau. Et il est toujours là. On l'avait vu notamment juste avant sur une action en relais avec Ben Renault encore. C'est vrai qu'il fait un gros travail en relais. Attention avec Léo Hamel. Attention, on contre encore. Allez, c'est Nico Camillo cette fois-ci qui est passé côté gauche depuis tout à l'heure. Ah, il n'a pas réussi à trouver Victor Guerrier. Victor qui était le seul offensif à ne pas avoir marqué la semaine dernière puisque Ben Renault et Nico Camillo l'avaient fait. Eh bien, il s'est rattrapé. Et mine de rien, là, Gécamp, offensivement, qui trouve ses marques. Un score dont on avait l'habitude l'année dernière, un 3-1, c'était le score moyen pendant la première partie de saison. Il avait baissé un peu sur la deuxième partie, mais
le 3-1, c'était ce qu'on avait la coutume d'observer. Bon, on va pas se plaindre. Et puis là, ça fait 6 buts en 2 matchs. C'est vrai qu'en début de saison, Julien Le Pen insistait énormément sur l'aspect défensif. Il disait, voilà, si on veut se maintenir, c'est d'abord défensivement. Donc, ils avaient travaillé énormément défensivement. Dans une seconde phase, c'était la partie offensive. Et puis, on voit que ça paye. Et oui, déjà, un bloc bien en place défensivement. Ça permet, quand on a aussi des attaquants de cette qualité-là, et bien de pouvoir mener des offensives qui sont, on l'a dit, elles sont violentes, elles font mal. Hein. Mentalement, elles font mal, en tout cas. Amouda, ouais, difficile pour Gonfreville, bien sûr, de repartir là. Ah oui, à 2 minutes de la fin. Mais attention, le match n'est pas terminé, on le sait. Voilà, c'est bien défendu. C'est bien défendu. Et là encore une balle de contre. Et elle est passée, Victor celle-ci. Guerrier, il est passé. Il est plus rapide, Victor. Il va se retrouver face à Nia. Ça, il est en bout de course. Il est en bout de course et il a beaucoup donné. Il sentait que le défenseur revenait sur lui. Il a tenté, tout de suite. Ouais. Ouais. On a entendu son cri d'ici là. Là, l'équipe est complètement cassée en deux. Oui, la Gonfreville, évidemment. Il y a un petit peu de découragement et puis c'est normal et c'est vrai et c'est dommage hein, lorsque vous voyez le contenu, je n'ai pas vu tous les matchs de Gonfreville, mais si c'est à chaque fois un peu le même contenu, je pense que qu'il doit y avoir des regrets. La frustration est là. Hein. C'est sûr qu'il doit y avoir des regrets. Parce qu'on ne peut pas vraiment dire que ce soit d'un point de vue technique le match le plus abouti de l'avant-garde, mais par contre, efficacité optimum. Ah, c'est ce que j'avais trouvé aussi contre Passy. Il y avait de l'efficacité, contrairement au match de Coupe de France qu'on avait du mal à marquer. Enfin, Agneau, ça avait fait 4-2, mais ça avait été longtemps serré. Voilà de quoi entamer, mettre en confiance cette équipe quand même avant le tour de Coupe de France. Hein. Ouais, parce que là, il y a le gros match la semaine prochaine. Il est parti. Il est passé Anthony Simon, il cherche encore Victor Guerrier. Il est encore parti loin, le gardien, parti loin. Oh là là, il joue vraiment comme un libéro à l'ancienne. Ah bah il sait que maintenant ses défenseurs montent énormément, notamment les latéraux, et qu'il va avoir plusieurs possibilités comme ça. Mais oui, gros match hein, quand même, Granville, c'est un sacré challenge, notamment que c'est à Granville qui est actuellement 5e de National 2. Mais comme le disait Julien, ça passe par des exploits. Allez, il est passé le ballon là encore. Anthony Simon, il y a Nico Camillo dans la surface de réparation. Qui rate sa prise de balle, c'était... Ah, il est fatigué, Nico aussi, il a fait des sacrées courses. Oui, mais c'est bien le danger. Pendant que le ballon est dans la surface adverse, il n'est pas dans la surface de l'avant-garde, c'est déjà ça. Et là, il y a quand même de nombreuses occasions qui se présentent. Hein. C'est vrai que la semaine dernière, déjà, contre Passy, il s'est retrouvé en fin de match, comme ça, seul devant le gardien. Et il compte encore un bon geste défensif, mais quel joueur ce numéro 2, là. Et c'est Demba, c'est le numéro 3, là-bas, je pense que c'était Diallo. C'était Diallo qui avait tenté une percée. Mais ouais, Nico Camillo qui est évidemment fatigué, qui a beaucoup, beaucoup couru sur son côté dans des conditions, bien sûr, toujours aussi difficiles hein, puisqu'il aura vraiment, ça fait 4 heures qu'il pleut à verse. C'est ça. À peu près. C'est la mousson. À quelle heure sommes-nous arrivés? 13h30. Ouais, ça va même plus que ça. Qu'il pleut comme ça. Alors que Dieppe semble avoir égalisé face à Vire. Ce qui serait plutôt un bon résultat pour toujours dans l'optique du maintien, puisque ça éloignerait encore deux équipes. Ouais, parce que Vire était 11e avec 7 points. Ah, attention, c'est pas terminé. Et Léo Hamel. Bien joué. Et la retouche, je pense. Et oui, il y a eu double contact. On peut quand même supposer que la charnière centrale contre Granville, ça pourrait être Julué contre Léo Hamel, étant donné la suspension de Saminelli. Les votes ne sont pas ouverts, mon cher. Oui, mais bon, vous ne m'empêcherez pas de penser que M. Julien Le Pen a préparé un petit peu ce match de Coupe de France. Et qu'on pourrait très bien retrouver cette paire de défenseurs centraux. Cette paire de défenseurs centrales face à Granville. Ouais, là, il n'y a plus grand-chose qui se passe. On est rentré dans les arrêts de jeu depuis 2 bonnes minutes, je pense maintenant, même peut-être 3. Ouais. Donc on doit vraiment s'approcher du terme et de rester là sur son score de 3-1, ça serait l'idéal. Ouais, ça serait pour un week-end. Superbe performance, ça serait la deuxième victoire à l'extérieur et la GECAN est invaincue à l'extérieur. En 3 déplacements, c'est vrai. Évreux, match nul.
Alors qu'on constatait qu'il y avait eu énormément de matchs joués à domicile. En disant cinq, que, ouais. Cinq matchs à domicile pour trois avec celui d'aujourd'hui à l'extérieur. Et c'est terminé. Et une nouvelle victoire. Magnifique victoire. Super victoire donc de l'AGECAN qui vient s'imposer ici à Gonfreville avec un match très très agréable hein, à regarder, beaucoup d'action des deux côtés, ça s'est joué à peu de choses hein. Gonfreville a eu l'occasion de revenir dans cette rencontre et puis finalement c'est l'AGECAN qui s'est montré très réaliste avec tout d'abord l'ouverture du score par Alex Diaz à la 26e, égalisation de Bouzouk à la 44e, Benjamin Renault qui donne l'avantage à l'AGECAN à la 68e et Victor Guerrier qui permet à l'AG donc de conforter son avance et de l'emporter donc 3-1 dans des conditions très difficiles. L'AGECAN a su faire le dos rond, j'ai envie de dire, quand il a fallu. Exactement, ça fait, c'est la preuve d'une grande maturité hein, de la part de cette équipe-là. Après, il faut reconnaître aussi que les joueurs, pour la plupart d'entre eux, jouent ensemble depuis quelques années. Commence à bien se connaître, il y a une vraie solidarité, on le sent, il y a un groupe là hein, qui est solide, qui est bien en place. Alors, ça fait vraiment plaisir à voir parce qu'on sent qu'ils ne peuvent pas être vraiment bousculés. Hein. Il va falloir venir les chercher là, après cette belle victoire à Et l'AGECAN qui sera donc un trouble fait hein, de plus en plus on va dire, hein, puisque c'était les déclarations de Julien Le Pen. Et on voit la joie, hein, ouais, on voit la joie du coach, hein, retour. C'était les déclarations de Julien Le Pen dans la presse régionale. Il voulait jouer les troubles faits dans cette équipe, dans ce championnat de National 3. Et c'est ce qui est en train de faire l'AGECAN. Prochain match, donc on vous le disait, un match face à Granville. On voit les cadreurs, hein. Voilà, les cadreurs, on les voit avec Heidi et Pierre-Claude. Hein. Merci à les eux d'être là. Les cadreurs du Grand Nord. Ouais, c'est ça. Bien emmitouflé là dans les manteaux, Pierre-Claude et Heidi. Prochain match donc pour l'AGECAN, c'est Coupe de France. Coupe de France, ensuite ça sera à Dieppe. Et après, c'est réception de Dieppe. Réception de Dieppe, voilà, donc, un client aussi. Un client à prendre très important. Au sérieux. Et puis, restez avec nous hein, sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, sur l'application app.unitedmanagers.com. Si vous voulez suivre l'aventure de l'AGECAN qui continue sa marche en avant et on espère un superbe match en Coupe de France. On ne pourra malheureusement pas retransmettre cette rencontre étant donné les droits que possède France Télévisions. Mais on aura droit, bien sûr, on vous fera un résumé sur les réseaux sociaux et vous pourrez suivre en direct sur Twitter, notamment ou Instagram, cette rencontre. Merci Bruno. Ouais. Ouais, merci à vous Xavier. C'est... Voilà, l'AGECAN est toujours invaincu, 11e match. Exactement, c'est toujours plaisant malgré le grand froid qui s'abat ici et la pluie qui s'abat ici à Gonfreville. J'espère que vous avez pris plaisir autant que nous donc à regarder ce match et on vous donne... Un petit coucou à tous ceux qui nous suivent, hein. Oui, bien sûr, de loin, même ceux qui sont très loin, je pense à mes amis Mautier. Un petit coucou et puis voilà, on en profite. À tous les humans. Bon rétablissement, Michou et puis Max Roinel, merci d'avoir participé. On se retrouve très vite sur les terrains. Et puis à très très vite sur nos réseaux sociaux. Salut à tous, bonne soirée.